Allô? Hein? Ah ouais. Oh, la TV va s'éteindre automatiquement, faute. Attends. J'en occupe immédiatement. Je suis Reluman. Il est où le hockey? Attends parce que... Alors. Donc c'est bien ça, c'est du Old Staff Ghost sur F0 GX. Et c'est The Wing qui joue, je crois pas. Changer de source. Ok, on est de retour. Ah bah non, on est pas de retour, faut que je fasse ça. Oui. Et on est de retour. Allô. Voilà, c'est bon. Nous sommes là. Très bien. Avec le magnifique Dr. Stuart en fond. Il y a une reprise trans de ce morceau quand on est dans ce menu. C'est sûrement pour ça qu'ils l'ont mis. Il y a une reprise trans incroyable qui nous rappelle évidemment Robert Miles, Jean-Michel Jarre ou encore Annie Cordy. Moi je pense que c'est le futur de Ken Bogard. À 42 ans, il ressemblera à ça. Ah non, alors Ken Bogard, j'ai trouvé son sosie. Old Ken Bogard, c'est Michel Boujna. Je vous invite à regarder l'affiche du spectacle que Michel Boujna fait en ce moment et c'est criant. Criant de ressemblance, hein, voilà. Donc Michel Boujna et Old Verdier. Voilà. Ouais, bah c'est cool. C'est vraiment fou. Donc The Wing seul, semblerait-il. Bah oui, apparemment. Donc vous avez peut-être raison, c'est peut-être l'autre qui s'est blessé alors. La blessure, quoi. Il s'est fait les croisés du pouce, alors ça, je m'en remettrai jamais. C'est vraiment bah, écoute, trop cool. Ça arrive, il a dû trop s'entraîner. Ça doit être très vexant d'ailleurs. C'est un peu comme, je sais pas, pour un speedrunner, c'est un peu les Jeux Olympiques, la GDQ, et puis te dire, bon, bah non, je vais pas pouvoir y aller parce que je me suis trop entraîné. Ça doit être un petit peu difficile. Après, il va peut-être participer quand même et faire quelques maps parce que je ne sais pas. Et en tout cas, je sais qu'il parlait de le soutenir et de faire certaines maps pour lui parce qu'il avait mal quand même. Il nous fait une petite tendinite. Hein. C'est dommage. Eh oui, mais ça va très joli couch cool. Également avec Negleria, Yoshifan et Yazo. Ah ça va, il y a du monde, il y a du beau monde, hein, on est toujours gâtés. Hein. Du spécialiste, The Wing, attention, hein, qui a laissé exprimer le pouvoir de la barbe. The Wing a la même voix que Michel Boujna, je suis pas sûr. Ah non, la voix de Ken Bogard, ça c'est le sosie officiel vocal de Cyril Hanouna, ça c'est plus approuvé. Oui, maintenant, oui, c'est plutôt Cyril Hanouna qui est le sosie de Ken Bogard. C'est sur le Wikipédia d'Hanouna d'ailleurs. Oui, oui, effectivement, et de Ken Bogard. Et de Ken Bogard, évidemment, très important d'avoir son Wikipédia. Et donc The Wing, ouais, The Wing qui est vraiment un monstre de travail, il a également, notamment sur Megamanix, il avait fait un excellent tuto justement pour les runners, et également, enfin toujours à partager des milliards de ressources et d'infos au niveau du speedrun. Il a son caractère, mais extrêmement actif et extrêmement doué. Et donc, bah là, j'espère qu'il va nous faire des choses belles. Parce que alors, c'est pareil, donc c'est le même défi que ce qu'on a pu voir sur F0X. Mm. C'est donc faire tous les staff ghosts du jeu, qui sont pas plus faciles que sur X. Hein. Honnêtement, c'est peut-être encore plus dur. Et il y a surtout plus de maps, et qui sont plus longues. Ouais, donc, alors, ouais, c'est, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par la dernière map. Il fait, qu'est-ce ouais, qu'il fait là, le il fait dans l'ordre qu'il veut. Cup avec Fat Shark. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Quoique, il pourrait le faire dans l'ordre, mais... Ouais, il s'en fout. Il va commencer par un niveau très facile, en fait, hein, Commute City, avec un vaisseau qui est pareil, très, très lourd. Est-ce qu'il se cale? Ah oui, d'accord, il va te donner le time. Okay. Ah, c'est d'accord, c'est très précis. Attention, il y a les règles. Les règles, c'est quand tu appuies pour la première fois sur A. Ah non, il y a des tests en fait. Ouais, non, ça doit être du lag test ou je ne sais pas. Bon, alors là, non. Oui, par contre, c'est le genre de jeu où le lag input, il en faut pas. Input, ah, il faut jouer sur un cathodique hein, ou sur un OLED hein, parce quand on est très riche. Hein. Ça. Et dans l'idéal, sur l'émulateur. Même si vous avez une très bonne bécane, le jeu est très très beau à l'émulateur. Mais il faut une sacrée bécane pour pouvoir. F-Zero DX, la hype, ça applaudit. Donc bon, c'était. On va dire que c'est. Il y a tellement de choses folles à voir dans le GX, le GP et notamment le story mode en VRR, bien sûr. Ça a déjà été fait, ça aurait été dur de repartir sur la même catégorie après le run through qu'a fait voilà, CGN l'année dernière. Donc évidemment, puis, on change un peu. On va quand même enfin voir les maps, c'est-à-dire voilà. On va enfin faire un peu de TT. C'est vrai que ça aurait été parfait en race, mais c'est pas grave. Ça va quand même envoyer du pâté. Le oui, Fat Shark. Ça sera divin quoi qu'il arrive. Dommage pour la race. Mais donc oui. On voit body A, boost B, grip E. Donc j'accroche pas, j'ai un bon boost et j'ai un énorme body. Avec un poids à 2490, c'est vraiment énorme. Hein. C'est parmi les plus gros vaisseaux c'est du jeu. C'est très rigolo d'ailleurs, exactement les mêmes statistiques et le même poids plus ou moins que le vaisseau utilisé dans F0X. Oui. Body A, oui. Boost B, grip E. Sauf que la différence, c'est qu'on est en max speed et pas en accélération. Voilà, exactement. Bon là on va rester en max speed parce qu'on ne peut pas faire la technique de la glissade de long de la rambarde pour démarrer.
Alors. Donc là aussi, évidemment, un jeu en 60 images par seconde sans pitié. C'est les jeux d'AM2, hein, comme Super Monkey Ball, de toute façon. Et puis, la version arcade AX, hein, ça c'est mon rêve d'un jour, hein, d'avoir une borne AX HD avec des connexions en veux-tu, en voilà, pour jouer en ligne avec les amis. Ça, ce serait vraiment très bien. Avec un émulateur, ce serait possible. Vu que Nintendo n'est pas motivé à le faire, non, on devrait. Hein. C'est du boulot. Il y a encore pas mal de choses. Hein. Nintendo a pris des choix tellement durs. Bon. Par exemple, le DD n'est absolument pas émulé. Il n'y a rien. Non. On passe à peine le boot. Quoi. C'est ça. Donc moi, je suis à 6, 7, 8. C'est bien là ? Ouais, t'es bien. T'es une seconde en avance. C'est nickel. Ok, bon, bah, c'est parfait. Donc, il va faire les maps dans l'ordre. Donc là, comme on vous le disait, il ne peut pas faire de déramarrage aussi rapide. Mais c'est pas grave parce qu'il y a des boosts quand même beaucoup plus souvent, je trouve, posés sur la map qui sont un peu en 3D en plus. Donc on les voit de plus loin. Le principe est le même. Il n'y a vraiment pas de grand chose qui a changé à part le fait de ne pas pouvoir vraiment utiliser le rempart pour gagner de la vitesse. C'est vraiment le même gameplay à peu de choses près dans ce GX. Hein. L'énergie est donc liée à notre boost. On a un boost à partir du premier tour. Et puis on peut voler, hein. Vous allez voir que je pense qu'il ne va pas s'en priver s'il a le temps. Alors voler c'est toujours pareil, hein. C'est une grosse prise de risque, alors peut-être qu'il le fera moins. Et il y a même des moments, vu qu'on fait quelque chose d'assez particulier aussi dans le jeu, on peut customiser ses vaisseaux, on peut fabriquer ses propres vaisseaux, on débloquait des pièces de vaisseaux au fur et à mesure qu'on débloquait des objets dans le jeu, donc en battant des Staff Ghosts, en battant le jeu en Master, ainsi de suite, on débloquait des morceaux, enfin de l'argent qui vous permettait de débloquer des morceaux. On peut avoir un vaisseau d'ailleurs sensiblement supérieur de c'est ça. De base. Donc là, je pense qu'ils se sont limités à pas prendre ces vaisseaux-là, ces vaisseaux custom. Ça donne d'ailleurs deux catégories, hein, pour les World Records en général. Il y a la catégorie avec les 30 vaisseaux de base du jeu et la catégorie custom. À savoir que la catégorie custom te permet de faire des vaisseaux qui volent tellement bien que tu n'as pas besoin de toucher le sol. C'est ce que nous avait montré d'ailleurs CGN l'année dernière en fin de run. Je pense qu'on aura une démo un décollage quand il arrive après et j'ai un booster. Et ce serait tellement bien qu'ils fassent un testbot pour la GameCube parce que pour le coup on aurait eu le droit à des maps complètement folles. Les tasses de ce jeu fait par CGN sont magnifiques. Alors, on les avait présentées dans Speed Game, je vous invite à aller les voir, à taper tasses CGN F0 GX au pire. Allez voir ça si vous n'en avez jamais vu, c'est juste, si vous pensez que ça va vite, il va deux fois moins vite que le TAS. Voilà, ça vous donne une petite idée de ce qui est humainement possible dans le jeu et de ce que est théoriquement possible dans le jeu. Et c'est juste fou ce qui est théoriquement possible. Alors, une map dans le Casino Palace, beaucoup de boosts, pareil, hein, là, et beaucoup de chouettes de trajectoires, c'est assez différent. Les maps sont magnifiques, elles sont très bien designées, c'est très intelligent. Le jeu n'a pas tellement pris de rive. Hein, non, il n'a pas vieilli, franchement, il n'a pas vieilli ce jeu. Hein. Il y a rien à dire, hein. Pour moi, c'est vraiment, je pense, ça fait partie, c'est un must-have de la GameCube, quoi. C'est obligatoire d'avoir au moins une fois essayé. Les trois jeux développés par cette division, on va peut-être jeter les pierres, mais pour moi, voilà, Monkey Ball 1, 2 et ce jeu-là, c'est juste absolu. Il ne faut pas oublier des mêlées et des Metroid Prime non plus. Quoi. Mais, je vais passer en règle, j'ai des problèmes, mais continue. Voilà. Et donc on va pareil fonctionner avec des systèmes d'environnement. Et là, vous avez pu le voir, il a quand même fait, il a utilisé le fait d'être sur la rambarde pour gagner un tout petit peu de vitesse. Ça lui en fait pas gagner beaucoup, je ne sais pas exactement quelle est la proportion, mais je ne les vois le faire qu'au dernier tour à chaque fois. Ils ne le font pas avant, donc il doit y avoir une raison. Je pense qu'en fait, c'est qu'au moment où tu quittes la rambarde, tu dois perdre de la vitesse. Mais tant que tu es sur la rambarde, et vu qu'il passe la ligne d'arrivée en touchant la rambarde, il n'a pas encore perdu de la vitesse, vu qu'il ne revient pas dans la map, c'est la fin. Donc c'est la seule raison que je vois. Et aussi, on peut aussi faire la même chose que dans X, mourir à la fin de la map pour récupérer au dernier moment un peu de vitesse, parce qu'en explosant, en fait, on gagne un peu de vitesse et on peut passer la ligne d'arrivée en étant mort, il n'y a pas de problème. Et il va sûrement essayer de le faire de 300 endroits. Sand Océan, map extrêmement intéressante, assez difficile, avec beaucoup de sauts à faire si on est très bon. Je ne sais pas s'il va les exécuter. Donc il a changé de vaisseau. Ça ne doit pas changer énormément de choses. Il est juste légèrement plus léger. Il est normalement un peu moins bon en boost. Alors, est-ce qu'il va les tenter ? Alors là, il fait des. Ouais, donc là, il fait pas la technique la plus violente. Non, il prend pas les trucs les plus risqués. Je pense que c'est vraiment trop dangereux. Donc là, il utilise en fait le fait d'avoir cette petite boule qui tourne autour de lui, qui fait des dégâts pour donner des petits à-coups dans ses directions et réussir à bien se placer. Mais c'est beaucoup moins rapide que ce que vous pouvez voir quand on est en World Record Attempt. Là, il prend pas de risque. En fait, son but, c'est de battre les Staff Ghosts, pas forcément de nous faire du reset fest sur la map. Donc forcément, c'est logique qu'il joue un peu plus safe.
pas ce qui s'est passé. Quelqu'un qui vient de faire un don de $50,000, ça me paraîtrait quand même assez fou qu'il y ait quelqu'un qui ait fait un don de $50,000. Alors, on va peut-être nous aller ça dans le chat. Donc moi je suis repassé en high, donc du coup on passe en 30 images par seconde, c'est un peu pénible, mais on n'a plus de buffer. Peut-être repasser devant du coup, mais bon. Je suis repassé devant là. Je suis moi-même en high. Au moment où tu as répondu, on a du buffer. Je suis moi-même en high, donc je suis pas en source parce que ça s'est arrêté. Là, ça marche très bien pour moi en high. Okay. Oui, j'ai du 30 fps, mais ça me permet de commenter quand même. Très bien, très bien. Moi, je suis à 5.07, 0.8. C'est bon, 9. Mais on est synchro et on espérons que ça reste. Voilà. Ok. Bon. Voilà, donc là il vient d'expliquer qu'il a le record du monde pour les non-custom machines. Comme je vous disais, il y a deux types de records du monde. Il y a le fait de le faire avec des machines custom ou non. Et là il a le record du monde avec des machines non-custom. Intéressant, est-ce que c'est GN Run ça? Peut-être pas. Oui, hein. Ouais, d'accord. Oui. Okay, donc oui, oui, oui. Ouais. Il fait les deux en fait. Hein. Il fait du custom et du non-custom. Il a des records dans les deux. Ça dépend de son humeur du jour en général. Hein. Si jamais il s'énerve d'un côté, il peut aller partir faire autre chose et passer en custom ou non-custom. Voilà, en fait, c'est qu'il a, il a différencié ça. C'est qu'il a un body en A, son boost est en E, donc il a un très mauvais boost, mais il a un grip en A. Qui fait que là, il colle au sol. Mais par contre, il a un très mauvais boost. Donc il va aller très vite, même sans boost, mais ses boosts sont tout pourris. Donc il doit gagner assez peu de vitesse quand il booste. Donc c'est-à-dire que c'est des niveaux où il y a souvent beaucoup de virages ou alors un truc très particulier à faire avec ce vaisseau. Ah, donc voilà, ça boost. Voilà, on le voit un petit peu. Allez, bisous. Voilà, la technique classique, enfin classique, c'est quand même hyper violent à réaliser. Donc vous voyez, là on se croit, c'est bon, on se croit dans, un peu plus proche de climax pour le coup. C'est-à-dire que notre vaisseau est penché d'un côté, mais c'est pas la direction dans laquelle on va. Hein, on est vraiment dans un genre de mode de drift complètement bourrin. Donc en faisant deux fois L ou deux fois R, on déclenche des petites boules autour de nous qui nous permet de. Vous voyez, c'est un coup hein, qu'on donne. Et qui nous permet normalement de tuer les ennemis. Et en utilisant très subtilement L, R et le fait d'accélérer et le fait d'utiliser ses boosts, il arrive à faire des genres de mini boosts. En fait, c'est du snaking, c'est un début du snaking en tout cas. Lui, il le fait que d'un côté, il ne le fait pas des deux. Et c'est super particulier à utiliser et à manipuler. Oh, il prend des risques là, il n'a pas beaucoup d'énergie, il continue de booster comme un salaud, rien à faire. Il arrive juste au moment où il n'a plus d'énergie sur celle qui vient lui recharger. En ligne droite, et... heureusement. Ouais, heureusement pour lui. Niveau encore hyper bien designé avec les éclairs. Et c'est... On a du mal en fait à se représenter en 3D à quoi ressemble la map, mais quand on essaie de la regarder d'un peu plus loin, c'est là qu'on s'aperçoit du génie du level design de ces maps. Hein. Parce qu'on n'a pas la sensation en fait de faire des tours sur nous-mêmes et tout ça. Et en fait, il y a des loopings, des torsades. C'est un grand 8 au final. Ouais. Un grand 8, ouais, non, mais c'est vraiment génial. Hein. Et les sensations de jeu pour ça sont juste parfaites quoi. Oh là là. Alors attends. J'écoute un petit peu aussi le stream US pour voir s'il nous raconte des choses. Il y avait le commentaire du don qui disait ouais tu casser la gueule au cancer, tuer les animaux et machin. C'est pas ça, de soucis. Alors je sais pas si c'est The Yeti, j'ai entendu The Yeti de mentionner. Mais c'est possible. Reste à voir. Pour l'instant, le fundraising reste à $171,000. On va voir l'update. Ouais, peut-être que si The Yeti a filé 50 000 d'un coup, effectivement, ça a dû se voir. 50 000, c'est-à-dire qu'ils auraient quand même vendu près de 14 000. Ouais, en une journée, ça paraît très fou. C'est parce que 50 000, c'est plus par, que... Tu m'étonnes que leur site soit mort s'ils ont vendu 12 000 t-shirts. Que le bénéfice général, ça serait fou. Hein, bah, tant mieux, mais... à voir. Donc là, on repart sur Don Genie. Donc c'est... Take note of when like the Fat Shark's engine is off. D'accord, il nous demande de regarder quand le vaisseau en fait coupe son vous allez voir, il accélère pas tout le temps en fait. Vous allez voir. Ah oui, ouais, oh cette course là, il faut le décollage tout en décollage direct. Là, ouais, parce qu'il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles on peut décoller. En fait, souvent, c'est une map où on te dit, t'as le choix. Soit tu prends un boost au sol, soit tu décolles. Et en général, quand t'es un joueur lambda, tu prends le boost au sol parce que décoller, ça fait perdre du temps. Et décoller, c'est dangereux. Oh là 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 là, là c'est beau ce qu'il fait. Faut bien passer. On est loin des techniques les plus abusées du jeu. Hein. Mais c'est ouais. Tellement dangereux que c'est inenvisageable de les faire sans qu'on soit en reset fest. Hein. C'est tout le problème de 0GX. Il est tellement exigeant qu'on ne peut pas se permettre de faire les trucs les plus dangereux dans les conditions. Ouh, il s'est pris deux...
deux mines, mais ça va, c'est passé, il a récupéré toute son énergie avant la fin, il n'y a pas de problème. Le petit décollage en fonçant vers le sol, donc là il fait des petites pointes à 2000 km/h quand même avec cette technique là, ça lui fait quasiment gagner un boost gratuit. Hein. C'est pas la vitesse normale du jeu, je sais pas comment décrire ça, mais si vous jouez normalement, vous n'avez pas cette vitesse aussi élevée en permanence quoi. Marrant, dans l'épingle on voit en fait qu'il décélère, c'était vraiment à l'entrée de l'épingle, et il ne réaccélère qu'après avoir pris le booster qui est loin après à la fin de l'épingle. C'est assez rigolo. Ouais, il arrive à rester à 2000 sans aucun problème, hein. Même pendant ses petits virages il fait perd 300 km/h, mais c'est pas de contrôle. Voilà, donc c'est ce qu'il dit, à chaque fois qu'on tourne on va sacrifier de la vitesse et il va falloir la récupérer le plus vite possible. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'il explique. Là, il est en train d'expliquer le début du snaking. C'est donc que vous allez tourner par exemple à gauche et appuyer sur R pour compenser le fait que vous tourniez à gauche. Et vous allez faire ça rapidement. Droite L, gauche R, droite L, gauche R. Et si vous le faites suffisamment bien et suffisamment rapidement, vous allez réussir à snaker justement et à gagner de la vitesse. Ça vous donne un petit boost à chaque fois que vous le faites. On a toujours un petit peu la sensation de est-ce qu'ils l'ont fait volontairement ou non. Ça reste une question. On parle de 14 000 dollars juste, donc c'est peut-être The Yeti si c'est 14 000 dollars. C'est effectivement The Yeti, oui, qui a fait un don de 14 000 dollars, effectivement. Parfait, j'avais du mal à entendre. Pour le lien, que je mets pas le son très très fort du stream anglais quand même pour entendre MV. Et effectivement, ça peut me jouer des tours sur l'écoute que j'ai de ce qui est dit. Donc c'est bon, ça veut dire ouais. Ah, donc il va passer en James McCloud. J'ai l'impression qu'il est en t-shirt devant du coup. Je crois que là, il est pas sur un vaisseau normal. Je crois qu'il a pris un vaisseau custom, il va décoller. Oui. Non, c'est un vaisseau custom. C'est son vaisseau ça. Donc vous allez normalement il va voler. Je pense qu'on n'est pas là pour rigoler. Voilà, donc il a aucune vitesse. Ah donc c'est une catégorie un peu freestyle quoi. Ouais, je crois que c'est un peu freestyle. Bah là, c'est juste parce qu'il doit pouvoir faire quelque chose de complètement bourrin avec ce vaisseau-là que ça va le faire marrer. Donc voilà, les vaisseaux custom, c'est vraiment bourrin. Il y a vraiment, il a même pas besoin de voler pour vous montrer que c'est complètement fou la vitesse qu'il arrive à atteindre. 700 km/h. Ouais, bah c'est toujours cette technique hein, de tourner avec les deux coups de R. Vous tournez. Donc vous voyez, il tourne à gauche et en même temps, il donne ses petits coups d'accélérateur. En fait, il utilise l'accélération que lui donne le fait de faire un dégât, normalement, de taper un ennemi. Il la conserve. C'est très difficile à faire. J'ai jamais vraiment réussi à comprendre comment on maîtrisait ça aussi bien. C'est vraiment calculé. On en fait un là. On n'en fait pas un de plus ou pas un de moins. Quoi. Enfin, le plus, c'est le mieux. Mais en général, on a des limites humaines. Au bout d'un moment, on n'a pas la dextérité. Ça marche vraiment un petit peu comme double dash sur Mario Kart, sauf que je pense pas que c'était vraiment volontaire de la part des développeurs sur F-Zero GX, alors que très clairement double dash c'était implémenté pour fonctionner comme ça. Mais peut-être parce que le jeu sur le vaisseau, effectivement, c'est plutôt rigolo. Des tours en 16 secondes, aucun problème, le staff Ghost n'a pas pu suivre. Le jeu en TAS dépasse largement les 9999 km/h. Oui. Voilà, c'est complètement débile, hein, mais avec la vitesse exponentielle que l'on prend quand on fait des petits sauts et qu'on maîtrise parfaitement les contrôles L et R. Donc là, encore un vaisseau custom. Le vaisseau Chuchu Rocket, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est une des maps qu'il préfère faire. Port Town, une map très jolie. Spam, c'est beau. Et donc encore un vaisseau custom, je pense que là il se pose pas de questions, en fait il joue dans les meilleures conditions que le jeu lui propose pour lui. C'est-à-dire que si c'est un vaisseau custom qu'il lui faut pour finir la map dans les meilleures conditions, il le prend. Si il préfère jouer sur une map avec un vaisseau non custom, il le fait aussi. Ah oui, en général, course avec un ascenseur assez vénère à la fin, ce sera assez drôle de voir ce qui s'y passe. Il y a une montée énorme en toboggan. Il faut avoir le bon timing effectivement. Il y a des petits rebonds à faire qui sont pas forcément. Ouh, il a raté le boost. Ah, oui. Ça c'est vexant. Il a raté pas grand chose, il a raté le boost. Et il est au décollage, rien à faire. C'est magnifique. Ah, ça a plongé dans la salle. L'escalier totalement esquivé, entre autres. Hein. C'était très très beau ce décollage, effectivement. On l'a tous vu mourir, mais pareil, c'est la même méthode. Hein. On décolle dans une direction et on va se ramener à coup de L ou de R sur la map. Donc normalement on peut le faire en une seule fois. Ah
D'accord, donc il vaut mieux en faire deux pour gagner plus de vitesse. On pourrait le faire normalement avec un seul dive, donc avec ce truc là. Mmh. Il pourrait revenir. Et en fait, vous voyez, il va en faire un tout dernier normalement pour en avoir deux. Il n'y a rien de vie là. Ça, c'est pas grave, c'est un détail. Oui. Elle est là, la vie, elle est là, elle arrive. Regarde, hop, tu vois. Alors, ça différence aussi avec F0X pour le coup. On récupère beaucoup de points de vie. On n'a pas besoin de rester longtemps sur les barres de points de vie pour en récupérer plein. Mais on peut les reperdre très vite. Hein. Vous voyez, ça consomme tellement de PV de faire du boost comme un gros bourrin comme il le fait lui, que ça, c'est super chaud. Quoi. Il a encore raté le boost, c'est pas grave. De toute façon, du temps qu'il arrive à décoller, c'est... Bah, je pense qu'il en a pas besoin. S'il peut le prendre, c'est mieux. C'est juste que ça va tellement vite et l'angle est tellement chaud qu'il le rate, quoi. Sur les records du monde, il le rate pas. Hein. Ah, dommage qu'on ait perdu le source, là, en 60 images par seconde. C'est tellement fou, le jeu. Bah ouais, c'est vrai. Bah, mais je pense que là, Twitch, ils sont down. Hein. C'est pas que moi. J'avais des problèmes avec le source parce que ça déconnait, quoi. Ah, il faut se retrouver ouais, dans les bons serveurs, les sous-serveurs. Ouais, faut avoir un peu de chance. Et RNG de la connexion. C'est un peu ça. Donc on va encore chercher dans la memory card. J'essaie d'écouter ce qu'ils racontent, mais c'est pas très fort. Je vais peut-être mettre un poil plus fort encore le stream américain, parce qu'ils ont l'air de raconter des trucs. Le Fat Shark encore. Ah, Green Plant. Assez rigolo avec... Avec les stands, il est placé à des endroits assez insolites, hein, au milieu de la route, entre deux pentes, etc. Voilà. Une map aussi, il faut faire attention. Le décollage, ça peut arriver. Parce qu'on va très très vite, vous allez voir, dès qu'il va avoir des boost power ici, on peut bourrer tout dans des lignes droites de l'infini et à la fin, il y a les petites mines. Donc là, il a volontairement pété des mines sur le côté pour pouvoir passer plus tard. Ouais, c'est super violent, mais il a quasiment pas perdu de vitesse, mais c'est safe. En fait, normalement, t'es pas obligé de le faire, mais c'est vrai que là, pour lui, dans les conditions dans lesquelles il est, c'est plus safe de péter les mines au premier tour, de toute façon, il perdra quasiment pas de temps pour qu'après, il puisse passer comme un gros bourrin sur sa droite sans se poser de questions. Voilà. Regardez bien la différence une fois qu'on a le boost power ici. Hein. C'est complètement... C'est plus le même jeu, quoi. C'est vraiment plus le même jeu quand il y a le boost power qui s'active, tout simplement parce que on a toujours des PV ici. Il y a des PV qui traînent toujours au sol, donc on a vraiment de quoi s'amuser. Hein. C'est une course, ouais. On peut vraiment s'amuser. Et puis c'est des longues lignes droites en fait. Hein. Regardez la mini-map, ça vous donne l'indication, quoi. Et il a deux fois des PV qui leur mettent toute son énergie, donc. C'est vraiment, tu bourres quoi, t'appuies sur, t'es quasiment tout le temps en train de booster comme un salaud et de faire 2-3 petits virages histoire de. Ouh, il a touché pour. Oh là 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 là. Ouais, le jeu ne rame pas une seule seconde. Ah non, jamais. Même s'il y avait tous les idiots autour. Et les musiques sont très sympas aussi, je trouve, des F0GX. Hein. Et il finit en explosant, très bien joué. Il a fait une. C'était beau, c'était plutôt sympa. Belle map. There's like quite a few like different like restrictions a bunch of players will like place on themselves just cuz. Oui, live streamer marche bien, il y a plusieurs plugins DLC qui marchent bien, le problème c'est le problème de synchronisation entre chaque personne resterait, c'est un peu compliqué. On n'a toujours pas trouvé de solution à ça. En fait, si le clean feed Coolmati en fait était en train d'en refaire un moins gourmand et en fait ils attendaient de switcher sur OBS pour nous le donner parce que XSplit prenait trop de ressources afin de nous donner ce feed pour les restreams français. Moi, je pense que l'année prochaine, MV, on va tous là-bas, quoi. Tous les commentateurs. Ben voilà. Et on commente en direct depuis là-bas, comme ça, ce sera plus simple, ça évitera les ennuis. 70, easy, quoi. Voilà. Mais oui, donc. Sauf que l'intégralité des dons français iront à Mister MV. Exactement. Voilà, comme ça financera le voyage. Mais le clean feed arrivera, mais juste, ouais, ils sont submergés comme d'habitude. Hein. C'est, pour l'avoir vu sur place, vraiment tous ceux qui sont au Tech Station donnent leur vie. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Donc là, un niveau aussi très sympa, entièrement en tube, avec des différentes tailles de tube. Et donc c'est foutu rebond, c'est vraiment horrible à maîtriser. On ne voit pas ce qu'on fait parce qu'on est en train de monter, de descendre. Et on fait des tours dedans, à la fin il y a ces petits pylônes de la mort. Hein. Franchement, il faut tuer les gars de la DDE qui ont fabriqué ce niveau. Mettre des pylônes comme ça, franchement au milieu de la route, ça ne se fait pas. Il faut leur dire, hein, c'est le nombre de fois où tu crèves parce que tu te prends un de ces foutus pylônes, un de ces foutus... Ils ont eu au moins la gentillesse de ne pas mettre d'éléments rotatifs comme cette fameuse fuite du tunnel en feu. Ah,
Il y a des éléments rotatifs ici, sauf que c'est des grosses pales. Oui, voilà, les grosses pales. Hein. Je les avais, oui, ou juste là, ouais, mais elles ça sont... va, là, c'est vraiment évitable. Elles sont, t'as de la bien place, quoi. Moins fou. clairement moins violent, ouais. T'es clair. Non, non, les pales sont assez anecdotiques. Ouais, c'est, c'est les poteaux, ouais, si on connaît pas la course par cœur, qui pose vraiment problème. Donc là, l'important pour lui, c'est donc de rester toujours dans, dans le sens de la gravité. Ou encore, il a évité le poteau avec un double R, là, pour juste se décaler suffisamment. Après, il a la bonne position, il sait comment passer. Hein. Mais la fin est vraiment pas évidente. Oh là 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 là. Et prendre, bien sûr, tous les boosts au sol qu'on peut. Donc, il se remet, il connaît par cœur, donc il sait exactement où va être le prochain. Si vous ne savez pas où est le prochain, vous avez quasiment aucune chance de l'avoir au réflexe. Hein. C'est juste, ah bah, il était là. Là, il en a pas raté, c'est vachement joli. C'est un truc, une feature, ce que j'ai mis bien dans les Wipeout, le dernier, c'est il te dit le nombre de boosts que tu as pris dans ton tour. Oui, exactement. Et c'est vachement cool, ça te permet de savoir si tu peux. Bah, ça compte pour toi, c'est déjà ça. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est vachement sympa comme feature. C'est dommage que. Si monsieur Miyamoto n'a pas d'idée pour F0X, c'est une de plus que je peux lui donner. Pour F0GX2 ou 0 Wii U. Wii F-View, quoi. Je sais pas. J'apprécie grandement les deux séries, ouais, c'est vrai qu'il y a un peu un clivage entre. Moi j'aime bien les deux, hein. Je suis pas raciste, hein, moi, des jeux, tant qu'ils sont bons, je joue à Trackmania, à Wipeout et à F-Zero sans aucun problème. Tant que j'ai des bonnes sensations de vitesse et que le jeu est entre guillemets jouable et fair-play, quand tu joues bien, tu gagnes, bah, j'aime bien. Après, j'adore Mario Kart aussi. Voilà, du Time Trial. Non, mais en Time Trial, Mario Kart est fair-play. Oui, ah, oui, bien sûr. Et c'est un jeu très précis en Time Trial. Mais après, si tu veux rigoler entre amis, c'est vrai que Wipeout ou F-Zero, si toi t'as un niveau de fou, tes amis t'aiment oui, pas. Oui, non, Wipeout, si tu joues avec des mecs sur Vénère en multijoueur, c'est ouais, c'est tu un peu fou, les ambiances. T'as aucune chance, quoi. Tu te prends 40 secondes, oui. C'est pour ça, c'est pas le même but. Exactement. C'est pas le même jeu, donc tout va bien. Pareil ici, oh, la prise de mine pour le décollage, c'était beau. Magnifique. Map quoi. Très difficile avec ses petits rebonds. Et voilà, ces sauts là, waouh, il l'a bien fait. Et avec en plus, tu te fais accueillir par de la glace. Alors là aussi, il y a différentes hauteurs de map. On peut être soit en haut, soit en bas. Et lui, bien évidemment, il veut rester en haut. Hein. C'est la route la plus rapide. Hein. Comme dans les Sonic, c'est en haut que ça va le plus vite. Donc le boost power, ça va être sauf que la map, elle est souvent plus petite. Ou que si on n'a pas la vitesse nécessaire, et ben, on n'arrive pas à voler jusque le haut. Ou alors, on va réussir à voler jusqu'en haut, mais on va perdre trop de vitesse en le faisant. C'est ça qui est fourbe. Ah, ce saut avec le boost. Et là, on va beaucoup plus loin. En bas. Alors là, s'il avait été très très fort, il aurait pu prendre la route du haut. Mais voyez la taille de la route du haut, non, lorsqu'il est en train de voler, là, c'est infernal à faire. Hein. Ah, voyons voir si au troisième tour il va réussir. Ouais, ce serait beau, qu'il nous le sorte. Mais alors allez, on décolle. Allez, essaye d'atteindre la route du haut. Oui, ah, non, pas du tout. Non, non, il est dessus, mais oui, il était en plus au pas aller assez loin, c'est trop risqué. Donc voilà, il prend pas de risque. Il vaut mieux finir la map que de tomber dans le vide. On passe souvent le mur du son dans le jeu, mais ça n'a pas d'effet, effectivement. C'est... Alors, TTK qui demande, c'est possible de speedrun de point and click? Oui, c'est possible. Ensuite, c'est pas la discipline la plus passionnante, parce que du coup, tu passes tous les dialogues. Mais à partir du moment où ce que tu fais, et si tu le performes bien, te permet d'être plus rapide qu'un autre joueur, ben, ils l'ont fait l'année dernière. Ils ont fait Pac-Man. Oui, exact. Et c'est vrai que je l'ai dit, j'ai notre game, tous les jeux sont speedrunnables. Je valide. Je considère que oui, c'est possible. C'est pas forcément une bonne idée, mais tous les jeux sont speedrunnables. Voilà, c'est ça. Ça peut être très con, mais tu peux le faire. Il y a longtemps, d'ailleurs, je m'étais lancé dans le speedrun d'Eric Meurtre dans un parterre de fleurs. Mm-hmm. Très très gros point and click avec deux catégories possibles, hein, le normal, le Any% ou le Any% puzzle-less. Bah, moi, j'ai fait le speedrun de Road Avenger. La Road Avenger, évidemment, oui. Le jeu, le jeu qui fait sa vie, quoi qu'il arrive. Quoi. J'ai fait le même temps quasiment en tasse et en speedrun. C'est quand même assez rare. J'ai eu deux frames d'écart. Et nous voici dans la fournaise. Ouais, donc pareil, hein, les tubes, même problème que sur F0X, hein, de toute façon, c'est de décoller et de pouvoir retomber dessus. Mais je vous disais, il y a la particularité dans F0GX que quand on décolle et qu'on ne va pas à un endroit qui est prévu, là on pourrait se dire, par exemple, vous avez vu, il est sur le tube, il pourrait aller sur le tube d'à côté. Et ben non, si jamais il essaye d'y aller, le jeu va lui faire passer à travers. En fait, il y a un genre de calcul, je ne sais pas exactement quel est l'algorithme qui tourne, mais qui dit non, tu ne peux pas être là. Tu n'as pas le droit d'être là, donc tu passes à travers le sol et point, tu es mort. Et des fois, ça marche. Des fois, tu peux te le permettre, des fois, ça ne marche pas.
C'est marrant d'ailleurs cette sortie de tube où il y a quand même une petite chute finalement. Pas de manipulation particulière effectuée par Zewing pour essayer de gratter un peu. Là, en fait, son but et le problème de ce genre de map, c'est d'apprendre par cœur où sont les boosts. Parce que. Alors, vous avez vu, c'est une petite technique quand même qui fait pour gagner du temps. Quand il décolle un tout petit peu, il fait. Ouh, il a perdu la vitesse là par contre, mais quand il décolle un tout petit peu, ce qu'il essaye de faire, c'est de faire Z. Pas R ou L pour retomber assez rapidement sur la route et ça lui fait gagner un tout petit peu de temps à chaque fois qu'il le fait parce que ça lui fait un mini boost, mais c'est vraiment très faible et il y a beaucoup de boosts au sol, mais il faut les trouver, il faut savoir où ils sont et donc tourner. Là par exemple il est à l'extérieur, voilà, parce qu'il sait qu'il est de l'autre côté, donc il va faire tout le tour. Là c'est pareil, il est aussi à l'extérieur et hop il le prend. Voilà, ici on évite et c'est pas grave. Alors là le jeu est assez généreux, quand on arrive à la fin et qu'on est à l'envers, le jeu a tendance à nous vraiment à nous renverser, à nous recoller au sol sans vraiment éjecter, qu'on ait vraiment de problème. C'est beaucoup moins dur que sur F0X ce genre de phase, hein. Mais là c'est vraiment du classique en fait qui nous sort, hein. Il doit pas être beaucoup devant, je pense, le Staff Ghost, à part le fait qu'il a un vaisseau plus optimisé surtout pour ce genre de map. Il faut pas rater les boosts au sol, c'est la grosse priorité. Parce que de toute façon, vu la longueur de la map, on va consommer nos 3 boosts de base offerts par le jeu sans vraiment de problème. Vu qu'il n'y a rien, il n'y a pas de truc au sol, on peut tout consommer jusqu'à être à 0 PV. C'est pas le problème. Tant qu'on évite de toucher les ennemis, il y a des barres d'affichage qui sont à la fin du niveau. Voilà, mais c'est pas une map très difficile si on sait où sont les boosts au sol. Il a quand même fait un dernier tour en 47 secondes, hein. c'est pas mal. Et là, le chat est partagé entre la guerre Wipeout F-Zero ou bien des propositions de jeux discutables à speedrunner. Ah, c'est normal. Et les passions, entre autres. Mais c'est speedrunnable, je vous dis, si on peut tout faire. Il n'y a pas de limite. Il n'y a de limite que dans l'imagination humaine, comme pour paraphraser, je crois, Jules Verne, qui disait quand il écrivait que tout ce qu'il avait écrit un jour arriverait parce que c'était l'imagination humaine qui était la seule limite de nos créations. Donc je pense que c'est la même chose pour le speedrun. Ce full custom, donc on est parti avec son Fat Baron. Que se passe-t-il? Donc là, retour dans la map de la forêt. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est beau ce qu'il fait là sur les passages dans les tubes quand même, c'est pas du tout évident. Parce que là, justement, c'est réussir à avoir la bonne trajectoire. Parce que si vous êtes pas assez. Allô? Ah! Qu'est-ce qui se passe, MV? T'es passé sous un tunnel encore pendant 5 minutes, mais tout va bien. D'accord, c'est vraiment bizarre. Je pense que ça a dû créer quelques luxations d'oreilles parmi les viewers, mais ne t'inquiète pas, ça n'a duré que 3 secondes. Je vous aime. Désolé. Parce que moi j'ai un son de très bonne qualité chez moi, donc je ne vois pas pourquoi ça. C'est de TeamSpeak qui fait des blagues. Donc voilà, le petit passage droite-gauche à la fin de la map, à la vitesse à laquelle on va, c'est pas évident. Donc ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont mis poteau accélérateur de chaque côté. Et donc il faut faire un droite-gauche très rapide à coup de LR, parce que si franchement vous essayez de le faire au joystick, vous allez vous planter, vous n'arriverez pas assez vite. Ou alors il faut le faire vraiment avec beaucoup de subtilité, lui il le fait à coup de RL pour être plus précis. Et donc là, comme je vous disais, dans ces tubes, là, quand on est à l'intérieur d'un tube, on est obligé de faire beaucoup de droite-gauche, tout simplement pour être toujours du côté de la gravité, du côté de la force centrifuge qui nous écrase contre le sol, sinon on décolle, et quand on décolle, on perd du temps, donc on ne le souhaite pas. Et en plus, il y a les boosts au sol. Là, il le fait très bien, hein. C'est très très bien exécuté. Dans la corde, on va dire. Voilà, le droite-gauche à la fin. Il en a raté un. Voilà, il en a même volontairement évité un parce qu'il a son boost de toute façon. Il avait l'énergie derrière, donc il avait le. Ça lui évite de faire un décalage supplémentaire. C'est quand même plus pratique. Il passe tellement bien ces virages là. Il reste tellement rapide. Jeu aussi qui profitait pour parmi les premiers, je pense, du PAL 60. Exact. Ouais. C'était quand même vachement confortable pour nos petites télés chez nous de faire oh là là, mais c'est tellement différent. Je crois d'ailleurs qu'il y a des records du jeu en 50 pour le coup. Oui, bah les catégories PAL, même. Enfin, c'est marrant d'ailleurs, on trouve même sur F-Zero SNES, il y en a qui ont catégorie oui, Mario PAL, Kart alors aussi, que pour l'instant c'est du 55, mais même voilà, le runner Yazo a des records dans tes catégories PAL. Alors mais c'est normal, il est norvégien. Il est norwégien. Ah, ok. Suédois. Non. Donc je à vérifier, mais effectivement il a connu le PAL chez lui. Il a connu le PAL. C'est des jeux où on va par défaut, évidemment vers 60 Hz, d'autant plus sur un jeu où la vitesse est le maître mot, quoi.
Donc on arrive à peu près à la moitié des maps, mais pas pour autant à la moitié du temps, parce qu'il y aura des trucs, des maps beaucoup plus longues sur la fin. On retourne au Casino Palace avec un niveau vraiment, alors qui va ressembler un petit peu à celui qu'on avait vu au début, mais avec un bout en plus. Hein. C'est vraiment le même principe, un peu de réhut hein, que faisaient les F-Zero. Pour faire plus de circuits, on reprend le même et puis on change quelques éléments et surtout on rajoute des éléments de difficulté nouveaux. Et là vous allez voir que la double branche, bah, il y a des sauts, il y a... c'est le festival. J'adore ce niveau, c'est un niveau préféré, un des plus jolis aussi, parce que on est sur un sol transparent. Et je trouve ça super bien réussi comme effet. Et donc voilà, dès le début, droite ou gauche, ça ne change quasiment pas la vie. Enfin, vous n'allez pas avoir d'avantage à être à gauche ou à droite, parce que vous aurez exactement le même circuit. La seule petite différence, voilà, c'est que on peut être en haut ou en bas, et donc il préfère de... alors il fait un truc qui est assez particulier, parce que soit normalement tu as un saut et des boosts, et lui en fait ils en profitent pour prendre le saut d'en bas pour aller chercher les boosts d'en haut, ou inversement, comme ça il a plus de boosts. C'est juste extrêmement risqué, parce que bah, dès que tu fais un saut et que vous avez vu c'est pas très large, il n'y a pas de rebord pour vous arrêter, et donc si jamais vous faites le saut et que vous vous ratez, eh bien c'est la chute, et là on a dit c'est le game over assuré. Pareil, hein. Toujours prendre tous les boosts au sol, c'est vraiment une grosse priorité. Donc apprentissage du par cœur de tous les boosts du jeu pour réussir des temps corrects. Et donc là, pareil, ici normalement on va à droite ou à gauche et on choisit soit on prend le boost, soit on prend le saut. Donc là il a raté, il voulait faire saut boost, mais il a raté le saut, donc il est resté au sol et après il a récupéré l'accélérateur. Voilà, il dit donc le niveau est en fait un Mobius, un anneau de Mobius géant. Voilà, et donc là, il préfère passer par l'extérieur, prendre les boosts plutôt que les sauts. Si t'es très très fort, les sauts, tu peux les négocier pour réussir à gagner beaucoup de vitesse, mais là, je pense qu'il le joue un peu safe. Enfin, un peu, hein. Franchement, c'est quand même super violent ce qui nous sort. C'est vrai que c'est assez safe quand même, au final. Bah, pour le coup, c'est vrai que c'est safe, parce que quand on sait les à quoi... Voilà, là il a réussi le saut. Donc voilà, c'est ce qu'il voulait faire tout à l'heure. C'est plus rapide donc de faire ça que de prendre les deux boosts au sol. Mais c'est beaucoup plus risqué. Et ça ne se fait bien qu'avec beaucoup de dextérité. Hein. Donc nous avons été rejoints, c'est pour ça que je ne te parlais plus, nous avons été rejoints par le sosie officiel de la jeunesse de Michel Boujna, mais je n'en dirai pas plus. Ah... Bonjour le fils à Michel. Donc ici les deux boosts plutôt que les sauts, et à la fin le saut par contre pour terminer la map. Là c'est vraiment très propre ce qui nous sort. Toujours ces virages par contre avec les coups de LR et les allumages extinction de son accélération, c'est toujours très très propre. C'est ce qui lui fait gagner le plus de temps par rapport au Staff Ghost, parce que le reste du temps il est vraiment dans une route assez classique en fin de compte. Le petit saut à la fin, il passe à travers le niveau. Donc là vous avez pu voir aussi un petit élément intéressant, le niveau, on peut passer à travers les éléments de décor, ça pose pas de problème la plupart du temps. Je crois qu'il n'y a vraiment pas d'ennui à travers ça. Il n'y a vraiment que la route qui a une solidité sur laquelle on peut s'appuyer. Merci Genogame de retrouver mes citations. Apparemment, c'est une autre citation que je ne connaissais pas. Toujours à vitesse maximale, toujours avec le Fat Shark, vaisseau le plus lourd du jeu. Bon boost et grip de merde, mais on s'en fout le grip, hein. On n'a qu'à bien jouer, on compensera. Est-ce que je dis bonsoir à Ken Verdier ou pas alors ? Ah, bien sûr, attends. Il nous sort, il ne passe pas le micro. Il sort de 4 heures de stream effréné. Il était en stream là ? Allô ? Oui. Ah, d'accord, c'est pour ça que pas le calme plat de fougère, hein. J'ai raté la 3 quarts des corners de F-Zero. Je suis triste, d'accord. Alors je me rattrape ici, content en tout cas que c'est la run All Staff Ghost. Ouais, c'est cool, ça nous change un peu et c'est vrai que c'est super sympa. Donc là, pareil, les sauts avec ces half-pipes de l'enfer, vous voyez, avec ouverture sur le côté, enfin en haut, en bas, et ça, c'est des idées de génie vraiment en termes de game design de niveau de F-Zero. Et donc, passer sur les côtés, très rapide, plus rapide. Et ici, il y a des décollages de l'enfer à faire, mais je pense qu'il va pas les tenter beaucoup trop risqué. Il va y aller, entre guillemets, une fois de plus, un peu safe. Est-ce qu'il va tenter celui de la fin? J'aimerais bien. Il peut aller tout droit. Voilà, il le fait tout droit. Ça, c'est très bien joué. Ça fait gagner beaucoup de temps. Parce que normalement, il y a tout un genre de chicane bizarre en half-pipe. Et là, il le fait en mode tout droit. C'est pas forcément très dur, mais c'est difficile de le faire pour gagner beaucoup de temps.
C'est vraiment très très propre là. Vous avez vu, il reste au sol en fait. Il veut pas aller trop haut et redescendre. Il veut à tout prix rester proche du sol. Il veut juste monter suffisamment, passer la petite difficulté et aller tout droit. C'était très très bien exécuté de sa part. Toujours pareil, des petits boosts. Là, le décollage, pareil. Vous voyez, c'est des petits décollages qui lui permettent de cutter des tout petits bouts de la map, mais des petits bouts gênants. C'est pas très très risqué, mais faut bien l'exécuter comme d'habitude. Hein. Ça déjà, je peux vous assurer que si vous avez ne serait-ce que ce niveau-là à F0, vous êtes un joueur très respecté dans la communauté, il n'y a aucun problème. Hein. Et je veux dire, si jamais votre meilleur temps en time trial avec le reset pourcent, c'est ça, c'est déjà très très propre. Hein. Il est largement devant les temps que je faisais à l'époque. C'est hyper impressionnant. Hein. Ouais, très très beau. 10 secondes d'avance sur le Staff Ghost, aucun problème. Hein. Ouais, Staff Ghost qui sont tellement durs normalement. Tellement durs, c'est vrai, c'est ça. Hein. C'est tellement infâme normalement. Mais il a des petites techniques qui lui permettent d'aller plus vite que les Staff Ghost, que les Staff Ghost n'utiliseront pas. Déjà, les Staff Ghost en général ne font pas de cut, je crois pas. Donc ils seront bloqués par ça. Et puis ils n'utilisent pas les techniques avancées de snaking, ce qui en général les défonce parce que si. Ouh, c'est tout chaud ça, ce petit rebond. Parce que voilà, si jamais on dépasse d'un petit millimètre, on fait une petite sortie de la pipe, c'est la mort assurée. Vraiment, soit tu maîtrises et tu sais que tu veux sortir et donc tu vas tout droit. Donc vous avez vu, il ralentit aussi assez volontairement pour tomber sur le boost parce que ça lui permet de repartir très vite. Technique assez intelligente ici à faire. Donc voilà, on va arriver à la fin de la Coupe Emerald. Et qui dit que c'est vraiment très dur. C'est Oshifan qu'on voit dans le fond là. Je suppose, oui. Moi, j'adore oui, la plupart des runners de F-Zero. C'est vraiment des mecs qui ont la foi quand même. Ouais, puis des gens qui restent impassibles devant la difficulté, qui ne s'énervent jamais. C'est ça. Yeah, this isn't the optimal vehicle for the course, but it's a really strong vehicle to use anyway. McCloud. Donc il change de véhicule parce qu'il dit qu'il y a une chute à la fin, un plongeon à faire et ce sera plus pratique avec ce vaisseau-là pour gagner énormément de vitesse. Mais donc, ça, voilà, c'est un vaisseau custom, ça, non? C'est un vaisseau custom. En fait, il a mélangé du custom et du pas custom. Ça va dépendre des maps. Je pense que c'est par rapport à son alésitude vis-à-vis de la map et vis-à-vis du niveau. Mais c'est clair qu'en vaisseau custom, il va faire des temps beaucoup plus pétés. Hein, parce que les vaisseaux custom ont des capacités complètement absurdes. Oh là là, ce qui nous sort, là, ça y est, ça vole. C'est les vaisseaux du vol. Hein. C'est pas pour rien qu'il a des ailes. Waouh, c'est hyper bourrin. C'est assez génial là, ce qu'il nous sort en custom. Je pense qu'il a une plus grande maîtrise de ce vaisseau custom que des vaisseaux traditionnels. Là, il sort des trucs vraiment pas faciles. Bon, il a touché, donc voilà. Par contre, le défaut, hein, tellement étroit cet endroit-là. Ouais, c'est hyper étroit. Mais le problème, c'est que surtout, il prend des vaisseaux à vitesse maximale. Et donc, le moindre touche, c'est une perte sèche de plusieurs secondes. C'est-à-dire que vous touchez comme ça, normalement, dans une. Dans un time trial, c'est fini. Quoi. Vous ne posez pas la question de est-ce que je peux revenir. Quoi. C'est fini. Il a quand même 8 secondes d'avance sur le Staff Ghost à la fin de son premier tour grâce à ce vaisseau custom. Voilà, le saut. Saut qui doit être pas facile à effectuer sans ce vaisseau-là, honnêtement. Donc c'est sympa aussi de prendre le vaisseau custom pour pouvoir nous montrer aussi les techniques les plus bourrins de ce niveau. Même si c'est dans ce niveau-ci que CGN l'année dernière avait fait que du vol. Il avait juste décollé, puis il avait tourné autour du point de départ, et puis il avait montré qu'on pouvait partir d'ici, rester là, à faire des tours, et il avait donc mis genre 9 secondes à faire les 3 tours du jeu. C'était complètement absurde, mais c'était rigolo. Ça marche très bien en classe aussi. Hein. Voilà, c'est ça là. J'adore ça. Donc là, il a fait un petit coup de sneaking pour repartir et accélérer dans la montée. Plutôt bien joué parce que c'est vrai qu'il avait touché, donc il avait perdu un peu de point de vie, enfin un petit peu de vitesse. Et donc il fait un petit coup de sneaking pour repartir. Il savait qu'il avait la place, que c'était pas trop dangereux. Là, on récupère l'énergie. On va faire le pire décollage. Toujours un petit coup à droite, un petit coup à gauche ou inversement pour gagner un maximum de vitesse. Rester à la bonne hauteur, ça c'est vraiment difficile. Et puis en plus, vous avez vu avec l'accélération, le jeu a un truc un peu particulier, il y a un genre de fisheye qui se met en place. Et donc quand on décolle, on va très vite. Et là, ça déforme un petit peu l'affichage que l'on a. Et il faut vraiment réussir à bien voir. C'est pas évident quand on commence à avoir des déformations visuelles comme ça, graphiques, et de savoir où exactement on va aller, c'est pas sûr, pas sûr. Hein. Là, il a fait un passage dans le piège, voilà, très voilà, propre. Et la mort. Et la mort sur la fin pour gagner du temps avec l'explosion, c'est très très proche.
Alors que MV dort, je pense. Hein. Oh, l'AMV, il m'a dit j'abandonne. Il a mis tes coups d'assaï. Je n'en peux plus. Je le comprends, c'est pour ça que je suis resté, que j'essaye de me mener au maximum, hein, de vous présenter cette run de F0GX avec, avec tout l'amour que j'ai pour ce jeu. Mais c'est vrai que je ne connais pas toutes les maps. En fait, le problème, c'est que j'ai quand même pas mal regardé des runs de CGN sur F0GX. Mais le problème, c'est que ce monsieur, il va passer 7-8 heures sur la même map. Et j'ai pas vu toutes les maps en speedrun. Ah ouais? Parce que, bah oui, des maps, il les fera jamais, quoi. Tu vois, ça fait trop longtemps. Ouais. Tu peux voir le record du monde, mais tu peux pas voir l'entraînement, tu peux pas voir ce qui dure. Alors, map très marrante. Donc, il a encore pris un vaisseau custom. Map avec trois maps, en fait, trois routes séparées. Et donc, vous voyez, sur les bords, là, vous pouvez faire des petits boosts. Est-ce qu'il va les tenter? Ah, il n'a pas tenté. Non, il a peur. C'est normal parce que ça, c'est extrêmement. Et là, il en a fait un. Vous l'avez peut-être vu. Ouais. Il fait un petit. Ça s'est considérablement accéléré d'un coup. Ça, c'est un truc de fou. Donc, oh vous là pouvez là. En faire autant que vous voulez. Mais en non. Tasse, c'est complètement débile. Et, il a réussi. Il en fait, Alors, c'est extrêmement dangereux. Parce que si jamais vous ne donnez pas votre petit coup de R ou de L. Ah, voilà. Oh, voilà. Ouais. Et voilà. Vous voyez. Hein, ça n'avait pas du tout l'air dangereux. Quand je dis que c'est dur, quand je dis que c'est dur, je vous mens pas. C'est que c'est dur. Il a essayé d'en mettre un peu plus. Il s'est dit, allez, je vais quand même un peu chercher le jeu, lui montrer que c'est quand même moi le patron. Et voilà, ça l'a tué. Mais c'est pas grave. Je préfère qu'il les tente et qu'il meure un petit peu pour vous montrer ça. Parce que c'est tellement beau, tellement risqué. Et donc, ces trois routes vont avoir un nombre de boosts différents. Et c'est pour ça que des fois, il va démarrer sur une route et changer de route par la suite. Même si, en fait, dans l'idéal pour lui, il se faire que des petits boosts sur le côté, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais en tasse, cette map, elle doit durer une minute. Il doit faire les trois tours en genre 20 secondes le tour. Oh là là. Parce qu'il ne fait que ça. Il est toujours en train de faire des petits rebonds sur le bord et prendre de la vitesse. Là, il le fait en fait assez lentement. Je suis désolé de vous le dire. Même CGN le fait quand même beaucoup plus vite dans un record du monde. Voilà, le petit saut. Donc là, il a quand même pris pas mal de vitesse grâce au saut. Voilà, là, il le fait. Là, c'est risqué. Oh là là. Ouais, c'est beau. Là, il le tente. Là, c'est beau. C'est comme ça qu'on veut te voir jouer. Ça y est, là, c'est la vraie vie. Ah, il est mort. Ah non, mais c'est chaud. Ah, il faut arrêter ça un moment. Pour The Wing, tu sors. On va appeler CGN. Il maîtrise mieux ce petit passage. C'est vrai que c'est CGN, je crois, le record du monde sur cette map. Hein, parce que c'est très, très difficile, très subtil. Parce que le rebord, en fait, vous pousse vers l'intérieur. En fait, il essaye pas de vous tuer, hein, le jeu de base. C'est vous qui cherchez à faire des petits rebonds, des tout petits sauts microscopiques à chaque fois que vous allez vous frôler le rebord. Quoi. Mais la risque. Voilà. Et pourquoi ça augmente la vitesse de faire ça? Alors, ça augmente la vitesse parce que tu tombes, tu chutes. Tu sais, d'accord, en fait, il considère la chute. Oui, t'es en chute. En fait, regarde, à chaque fois qu'il le fait, il fait deux fois R ou deux fois L selon la direction dans laquelle il est. Ouais. Et en fait, c'est considéré comme une mini-chute. Et à chaque fois qu'il fait une mini-chute, il a de la vitesse. Il gagne un tout petit peu de vitesse. Tu lui fais un boost quasiment équivalent à un boost. Hein. Le simple fait de le faire, c'est quasiment un boost gagné gratuit. Hein. Mais c'est extrêmement dangereux parce que tu vas devoir en fait quitter la route et revenir. Et c'est très très dangereux. Et en tasse, il fait que ça. Vraiment, c'est complètement fou. Et CGN, il doit faire la moitié de ces trucs-là en tasse. Et quand il n'est pas en tasse, je veux dire. Et il est une minute derrière, quoi. Je crois que le record est vraiment. Ouah, il a eu du bol de retomber sur la route là. Oh, même lui, il n'y a pas cru. Regardez bien, ils sont concentrés. Ça n'est jamais hein. De la est... chance. Ouais, tout le monde est en train de regarder là parce qu'ils savent que c'est pas facile. En même temps, il prend des risques, hein. Il tente sa chance. Il est loin devant le staff Ghost, hein. C'est pas la question. Il a 8 secondes d'avance, il pourrait ne pas le faire. Mais il le fait. Alors, normalement, on peut atteindre des vitesses vraiment genre hallucinantes du 3500 km/h sans aucun problème ici. Mais à un moment, tu remontes le temps, hein, selon la théorie de la relativité. Hein. Bah tu l'arrêtes en tout cas. Si t'as la vitesse de la lumière, tu ne bouges plus, hein, c'est le problème. Donc lui, heureusement, il en est loin, mais c'est vrai qu'il passe le mur du son plusieurs fois, il doit même passer Mach 2, Mach 3 de temps en temps. Voilà, là, une petite pointe de vitesse à 2800 km/h. Là, on peut faire du 3000 largement. Je pense que vous allez voir à la fin de la map de toute façon. On a une vitesse max aussi qui est considérée, c'est un genre de record. Hein. Il y a le temps que l'on fait, le temps par tour, et puis la vitesse max. Je pense que vous allez voir, si on a le temps de le voir à la fin, il va avoir une vitesse max complètement débile, sûrement autour de 4000 km/h. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Oh, ils ont créé un jeu. Ouais. Ah, ça va vite. Hein. Merci encore une fois à Sega de nous avoir fait un magnifique jeu et qui en plus
a beaucoup de richesses à offrir et qui ne cesse de me donner des émotions. Donc c'est un peu de mon couillot à moi, si tu veux, Ken. Alors toi qui es un grand fan justement de GX, est-ce que tu as essayé AX? Oui, j'ai joué à AX, ouais, j'ai joué à la borne. Ouais. D'accord. Et c'est plutôt sympa. Si tu connais effectivement F-Zero GX, c'était plutôt fort. Ouais. Mais le fait d'avoir un volant. Oh, oh non, il est mort juste à la fin. Non. Qu'est-ce que t'as se retire. Ah là. Ah, le retired. Ah, le retired, ça fait mal. Oui, donc ce que je disais. Bah oui, j'ai joué un petit peu à AX. Donc t'es plutôt fort, mais c'est vrai que la sensation volant, accélérateur, tout ça. Et t'as LR au volant. Ouais. J'ai pas pu, par contre, aller, quand j'ai testé, je crois que c'était, c'était en France, donc ou peut-être aux Pays-Bas, je ne sais plus, mais en tout cas, tu peux amener ta carte mémoire. Oui, c'est ça, charger, de GameCube, ouais. Et ben moi, il était bloqué. Le propriétaire de la borne avait dû se dire, de toute façon, personne ne le fera jamais. Et donc, tu ne pouvais pas amener ta carte mémoire de GameCube pour la brancher sur la borne, ça avait été supprimé. Ah ouais. Mais le jeu, c'est le même, hein. Vraiment, il n'y a pas d'écart. En fait, le hardware qui fait tourner le jeu, c'est une GameCube. Donc, c'est le même. Oui, non, c'est le même jeu, hein. Il n'y a vraiment pas d'écart, à part quelques maps. Et je trouve que le niveau de difficulté se situe entre expert et master. Mais d'accord. Peut-être que ça se règle dans la borne, ça je sais pas. Oui, ça se règle. Ouais, je pense que ça se règle dans la borne. Mais je pense que c'était de l'expert au niveau de difficulté auquel j'ai joué. Et j'ai fini un championnat, genre le premier championnat premier. Donc j'étais assez content. J'ai dû faire l'Emerald Cup ou un truc comme ça. C'était assez cher, parce que c'était genre quand même 2 euros la partie. Enfin, c'était violent. Oh, c'était pas en France alors que t'avais testé ça. Non, je crois que la seule borne française que je connais des F-Zero AX, elle est à Toulouse, à New Arcadia. Non, parce que j'ai jamais joué à Toulouse. Donc clairement, c'était pas en France. Non, je pense que c'était à Loenzandvoort aux Pays-Bas, où il y a des stations balnéaires dans lesquelles il y a encore des bornes d'arcade et il y a un endroit où il y a un genre de fun park, si tu veux, où il y avait une F-Zero là-bas. Et c'est le seul endroit où j'ai joué. J'y ai quand même passé une heure et demie, je crois. Mais c'était la première fois que j'avais l'occasion de jouer sur une borne AX, quand même. Et puis, c'était pas très loin de Las Vegas quand nous étions partis en Californie faire le tournoi des légendes. J'avais pu jouer mais tu te rappelles comment à ce jeu là j'ai un trou sur un jeu de caisse aussi qui est une série à l'origine avec Initial où D tu roules. Initial D ah. Non. Quel jeu? Initial D, effectivement. Initial D. Et donc j'avais pu jouer à Initial D là-bas tout en faisant. Et c'était assez marrant parce que tu suis le scénario du jeu tout en étant dans un jeu de course. Le jeu de course est plutôt pas mal. Ah, du grand Sega aussi, hein, Initial D. Hein. Très très ouais, bon. Et jeu. J'aimerais bien pouvoir y jouer sans avoir besoin d'une borne d'arcade. Mais je crois que c'est pas possible. Tu peux, il existe plusieurs versions, notamment une qui est sortie sur PlayStation 3 qui correspond à deux versions arcade de retard. Et la version la plus récente est une version PSP, il me semble. Ah d'accord, bah, il faudrait que j'achète une PS3 un jour. J'avoue. J'ai jamais acheté de PlayStation. Mais sorti qu'au Japon, hein, le jeu, hein, jamais sorti chez nous, mais ça fonctionne très très bien. Je l'ai, hein, je pourrais te le passer si tu veux. Je passe au bled. Je vais faire un test. Je vais faire un test auprès de toi. Est-ce que le son est bon? Parce que là, j'utilise un micro qui a explosé les oreilles de quelqu'un plus tôt. Enfin, des gens. Moi, t'as un son parfait, MV. Là. Ok, donc c'est bon, nos deux micros fonctionnent. Moi, si jamais tu m'exploses un peu ici. Les oreilles, là, je dois bien. Allô? Ken a un micro de bien bonne qualité. Donc, oui, je m'excuse. Là, voilà. 3 heures de sommeil sur 40 heures et GX beaucoup moins compétent que Realmiop pour le coup. Les autres j'étais bien, mais là je sais que Realmiop était au taquet, donc pas de soucis. Et puis ça nous permet de quand même d'avoir une intervention d'un homme charismatique. Non, tantôt Hanouna, sur jeuxvideo.com, c'est soit Ken Bogard, soit le cancer. Hein. Ça a été dit, donc si vous ne voulez pas attraper le cancer, quittez immédiatement ce serait. Très bien. Alors évidemment, on dit un peu des bêtises, hein, parce c'est qu'on est sur parce qu'il arrête pas de mourir en boucle de nombreux retries. Hein. Mais bah oui, ça doit être terrible, hein, parce que cette technique qui est extrêmement risquée. C'est très très risqué, c'est une map très difficile. Bon voilà, il a fini. Voilà, bon, il a un peu sévérité, vous pouvez applaudir dans le chat. Je vous remets le pack. Hein. N'oubliez pas les remets le pack, je vous les rappellerai tous les jours. Les clapas. C'est la spirale du fail, ça fait très peur. C'est très risqué ce qu'il a fait. Ouah, il enlève son micro. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va? Oui, on a marre. J'en ai marre, je me casse. Il va peut-être demander à quelqu'un d'autre de finir la run.
C'est Yoshifan. C'est Yoshifan qui va finir. Oh là même, là, je kiffe tellement ce runner. Ouais, je pense que c'est ça. Comme je vous disais, il y avait un blessé, c'est peut-être lui, hein, je sais pas. J'ai pas suffisamment écouté le stream en anglais pour savoir. Ils l'ont peut-être pas dit, hein, de toute façon, je sais juste que c'est Yazo qui en parlait. Ah, je vois Negleria, qu'est-ce qui... Non, il y a un switch, hein, ça tag, visiblement ça tag. Ça tag complètement, en sachant qu'il y a donc, semble-t-il, info Realmeup, il y a un des runners qui s'est fait les ligaments croisés du pouce. Ça devait être une race à la base. Oui, ça devait être une race, ouais. Et il s'est trop entraîné, et il s'est blessé avant l'arrivée à la GDQ. Non, t'es sérieux? Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Et c'est Negleria qui s'installe. Le pire troll des marathons. Ouais, mais il connaît F0 GX. Hein. Ah oui, bien sûr. Il sait jouer. Hein. Il va peut-être pas faire toute la fin du jeu. Ah, alors, il change le setup de la manette GameCube. Ça calibre différemment. Calibre différé. Il doit pas. Il recalibre. Hein. Il recalibre sûrement parce que c'est pas sa manette, tu sais. Il a... Donc, il va customiser les boutons aussi parce qu'il n'utilise pas les mêmes boutons. Donc, il inverse Y et X parce qu'il est dyslexique des boutons. Ah, utilise-t-il X pour sauter tel. Tant qu'il n'utilise pas la gâchette pour sauter, je ne respecte pas. C'est pas complètement con parce que sur ce jeu, tu peux avoir des problèmes. Moi, je sais que j'utilise ça. Je fais un genre de crochet. Tu appuies sur A pour accélérer et tu ramènes ton index qui n'est plus sur L pour appuyer sur X et Y. Mais bien sûr, comme les vrais joueurs font. Mais oui, mais Realmeup, toi et moi, on se comprend. C'est Mr. MV qui n'a rien compris. Je pense qu'en le mettant sur X, tu vois, ça lui évite d'avaler sur Y. Et c'est peut-être pas plus bête de le mettre sur X que sur Y pour le coup. C'est peut-être moins loin, ça dépend de la forme de tes mains, peut-être, je ne sais pas. Alors les gâchettes auxquelles nous devons souvent faire appel dans F0 GX ne sont pas telles un peu trop gênantes, les gâchettes de la GameCube. Je pense que c'est pour ça que tu peux te taper des tendinites. Hein. Elles sont dures. Hein. Ouais. Elles sont, il y a quand même un ressort, elles sont quand même analogiques. Ouais, alors, c'est là, chiant, est-ce qu'il va tenter, alors, est-ce qu'il va tenter ici? Alors, ça, c'est le niveau de l'enfer. Là, voilà, donc il essaye de le faire, mais il ne le réussit pas très très bien. On peut faire donc la même chose, la même technique que dans le niveau d'avant avec ses petits sauts quand on passe d'une route à l'autre. Et là, il a réussi. Donc là, voilà, là, il a réussi, c'est très sympa. Voilà, là, il y arrive, c'est classe. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire, vous allez aller de plus en plus vite et la fin est très très dure. Mais justement, j'ai l'impression que plus tu vas vite, plus c'est simple. Oui, bah c'est oui, bien sûr. Mais non, parce que plus t'as de temps pour passer, parce que tu vas vite, tu tombes pas. Non, en fait, ça marche pas comme ça, parce d'accord. que tu vas en avoir tellement que tu vas devoir les enchaîner. Il faut avoir quand même le réflexe. Okay, okay. Quand tu vas pas si vite, t'as de la marge en fait. Le temps que tu fasses ton L ou ton R, t'as quand même une bonne marge de mouvement, si tu veux. Ouais. Et si tu le fais pas au bon moment, tu vas tomber. D'accord. Donc il vaut mieux que ce. Là, il faut bien connaître. Il le fait bien. Là, pour l'instant, franchement, il joue pas mal. Là, voilà. C'est classe. Ou il a failli décoller. Il a failli décoller, ce qui serait, en fin de compte, en vrai, l'idéal, parce que tu peux redécoller d'ici, ce qui t'évite de faire ce dernier virage. Voilà. Et tu retombes directement à la fin de la map, qui est forcément un énorme cut. Mais alors, la prise de risque est tellement délirante qu'il le fera pas. Je vais mettre un tour au staff. Bah, ça lui fait gagner beaucoup de temps, hein, comme technique, hein, c'est sûr. Alors, regardez à chaque fois la vitesse qu'il prend quand il fait, hein, voilà, il passe de 1002 à 1008, hein, voilà 2000. Ouais. Et le truc, c'est que ça se cumule. C'est-à-dire que normalement, si vous boostez, vous ne pouvez pas booster dans un boost. D'accord. Ouais, ouais. Quand vous avez déclenché un boost, vous devez attendre que votre boost soit terminé pour rebooster. Là, c'est pas le cas. Ouais, vous pouvez booster, faire ce truc-là et recommencer. C'est pour ça que sur ce genre de map, je crois que sur Antas, c'est 40 secondes. Ouais, et il fait du 9000 à l'heure, quoi. Il fait du 9000 km/h, quoi. Parce qu'il infinit ce truc-là. Et lui, il a le temps de faire droite et gauche. C'est-à-dire qu'il part d'un endroit, il va sur l'autre, il revient et il fait un aller-retour, si vous voulez. Il est là, tac, 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 tac. Et c'est complètement bourrin. C'est vraiment foufou, quoi. Mais les tasses de ce jeu qui sont faits par ces gènes demandent un travail énorme. Il le dit, hein, c'est entre lui qui run le jeu, c'est-à-dire qu'il sait déjà la route optimale, mais entre 50 et 60 heures pour faire une map. Hmm. En tasse. Une map. C'est ouf quand même. Et là, il les a pas toutes faites. Hein. On les avait quasiment toutes montrées dans le speed game. Je crois qu'il en a fait une dizaine maximum de maps. Qu'est-ce qui se passe? Il a raté sa sauvegarde. Qu'est-ce qui. Il veut ses. Il a pas envie d'avoir ses vaisseaux. C'est sa calibration. Non. C'est parce qu'il parle de la calibration du joystick. Il dit que c'est un des rares jeux où tu as une calibration de joystick. Ouais, c'est vrai, hein, c'est chouette quand même. Dans Monkey Ball, il n'y en a pas, non? Non. Putain, c'est ouf. Est-ce qu'il y en a une dans Puyo? Non. Ah, bon, bah voilà. C'est moins précis.
Il retente de faire la même chose, et là, en fait, plutôt que de le faire en passant d'une route à l'autre, il va essayer de le faire en étant à droite et à gauche et en profitant de la chute, vous voyez. Il va se mettre à gauche et hop, il a tout petit peu le temps de le faire parce qu'il y a le trou en fait qui lui permet de, avec la perte de hauteur qu'il a, correspond à peu près à la... Il a dû se faire peur. Il a dû se faire tellement peur. Il n'a pas cligné des yeux pourtant. Hein. Ouais. Là, il a la confiance. Mais voilà. Oh là 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 là. Oh là là, c'est méthode de déplacement. Oh là là, il joue bien. Franchement, c'est peut-être un troll, mais franchement, là, il joue quand même pas mal. Il prend les risques. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est qu'il prend les risques. Ça va peut-être pas payer. Peut-être qu'il va crever avant la fin des trois tours, mais il prend les risques. Le truc, c'est qu'ils sont tellement loin dans le jeu que toutes les techniques pour gagner du temps sont unsafe au possible. Enfin, je sais pas, pour faire une run enchaînée de toutes les maps, mais c'est surréaliste, quoi. Il faut vraiment, pour le coup, faire des safe strats au bon moment. Enfin, c'est chaud. Bah, tu sais, c'est le même problème qu'on a sur Trackmania avec Frostbulk, donc Yadzo qu'on a vu tout à l'heure, qui a un record du monde de Trackmania 2, enfin, Trackmania le nouveau. De Canyon en 1h18. Ouais, et si t'additionnes tous ces meilleurs segments, ça fait combien? Ouais, mais c'est ça, il y a un écart assez conséquent, effectivement. Ouais. Surtout qu'il y a des maps où il meurt. Parce qu'il y a des trucs tellement dangereux que même si tu meurs qu'une fois, ça reste rentable par rapport à la totalité de la run. C'est ouf, et c'est vrai que c'est des runs qui n'existent pas, je ne crois pas, je n'ai jamais vu de single segment battre tous les staff ghosts de ce jeu. C'est soit du time trial, soit du grand prix, soit en général du mode histoire pour ce jeu. Mais j'ai rarement vu un mode où on se dit je vais battre tous les staff ghosts. Quoi. Ah, t'as un peu du spécial à GDQ qu'ils nous font là. Ouais. Mais c'est pas grave parce qu'ils ont des grands joueurs disponibles sur place. Et normalement, Yadzo est le meilleur joueur disponible. Mais c'est lui qui a le plus de records en moyenne sur F0 GX. Mmh. Mais ça fait 5 ans qu'il a pas joué. Mais avec les records qu'il a, en théorie, c'est lui le meilleur joueur de GX de la GDQ. Il pourrait finir quelques maps. Il le disait justement que s'il y avait quelqu'un de blessé, il pourrait intervenir pour aider et finir quelques maps. Hein. C'est quand même assez marrant. Il joue à tous les F0, ce personne. C'est fou. Et GX, il fait GX, Climax et F0 classique. Hein. C'est quand même sympa. Le seul qu'on n'aura pas vu, c'est quand même un peu dommage, c'est Maximum Velocity. Je pense qu'il voulait présenter Climax parce que le jeu est moins connu. Clairement moins connu. Idée, hein. Hein. Franchement, Maximum Velocity, tout le monde l'a eu avec une Game Boy Advance, je crois. Ouais, bah c'est un petit peu comme Super Circuit, c'est les jeux qui ont cartonné sur GBA parce que c'était ce qu'on attendait et c'était bien. C'est ça. Mais Climax, c'est vrai que vu qu'il n'est pas sorti, on s'est fait un peu niquer. Donc, la map de tout à l'heure, version avec le custom vaisseau, vous allez voir, là il va pouvoir prendre justement des petits dégâts volontaires dans l'arrière de son vaisseau. Et là, il tente beaucoup plus de staking, oh là là, la vitesse qu'il prend. Alors là, le saut. Alors le saut, hyper compliqué. Ouais, c'est chaud. Alors il le fait hyper safe. Cinquième élément. En fait, hein. Ouais, alors c'est hyper safe. Il le fait c'est le même problème que la map de tout à l'heure où il peut le faire en tombant sur la plateforme la plus haute. Ce qui est idéal pour lui. Le problème de ça, c'est que c'est extrêmement risqué, vu que la plateforme la plus haute est aussi la plus fine. et c'est extrêmement dangereux de le faire. Et il peut aussi prendre des risques sur la fin. Vous avez vu, il a fait des petits, encore ces petits sauts sur la fin. C'est faisable. Il peut même décoller un peu plus, mais je pense qu'il ne le fera pas par raison de sécurité, vu qu'on est en live et qu'il n'a pas envie de crever. Qu'il a déjà ses secondes d'avance sur le staff ghost, c'est pas nécessaire. Mais il fait quand même les techniques là, voilà. Est-ce qu'il va réussir à retomber dessus? Il tente sa chance. Ouais, non, en fait, il y va vraiment plus safe. Il se pose pas la question. Oh, il a réussi, il en a fait un. Là, c'était risqué. La glace, toujours. Alors, la glace était un peu moins punitive que dans les autres F0, honnêtement. Néanmoins, elle est quand même pas agréable. Mais on peut plus se diriger, surtout si on a du boost, vu que la différence avec F0 de base, c'est qu'on a un boost. Quand on veut, tant qu'on n'utilise pas, on en a à peu près 4 quand on a une barre d'énergie pleine. Donc si jamais on a un problème sur la glace, pouf, un petit coup de boost et on repart dans la bonne direction. On n'en a pas qu'un comme sur F0. Et sur F0X, c'était plus dur. Honnêtement, c'est plus dur la glace que dans celui-ci. Est-ce qu'il va... Non, il prend vraiment pas de risque. Il va toujours prendre la route la plus longue. C'est léger, hein, franchement, c'est pas un écart énorme. Ça lui permet quand même de péter des tours en 39 secondes, hein, donc ça va... Il va presque prendre un tour au staff, non? Non, il l'a juste vu afficher. Ouais. Et la fin, il va essayer de crever. Il va booster comme un fou, je pense. Et il va essayer de mourir sur la fin pour passer la ligne d'arrivée avec l'explosion de son vaisseau, ce qui serait l'idéal pour lui. Alors, il faut bien qu'il le passe. Voilà, il va le faire ici.
Non, il va prendre un de ses pas. Il a raté son dernier boost. Alors, s'il avait pris le dernier boost, il aurait foncé dans le mur, il se serait laissé exploser, il aurait passé la ligne d'arrivée en explosant. Mais vu qu'il a raté son dernier boost, il l'a pas fait. C'était quand même, c'est une map très difficile. Hein. Là, on déconne pas. Hein. On est sur du Aeropolis 2 ou 3. Dragon Slope, c'est parmi les niveaux les plus durs. C'est un niveau extrêmement difficile. Et je crois que le record, il doit être à 2-3 ou 2-4. Il a fait le sixième temps, il marque son nom un peu pour le guac. Bah, c'est, en fait, le truc, c'est qu'il fait un sixième temps parce que c'est une map qu'on finit rarement. Tu vois ? Ah ouais ? Bah, tellement elle est dure. Le saut, en fait, il est infiniment. Moi, j'ai vu CGN s'énerver 5 heures sur cette map à rater le premier saut. Hein. Le saut qu'on voit là avec les trois plateformes. Et à devenir fou parce qu'il est là. Mais je ne comprends pas, je ne peux pas passer. Et le faire trois fois d'affilée avec les risques qu'il prend, bah, ça passe pas. Et donc, tu finis rarement. Donc, ce qui fait que tu peux choper un sixième temps parce que tu finis pas souvent, quoi. Et puis, je sais pas à qui appartient la carte mémoire qui est dans le jeu, là, pour le coup aussi. Il y a des persos stylés dans le jeu. Super Arrow. Il y a un bug. J'ai cru que tu étais décédé. Il y a eu un gros grésillement très très sale. Ah vous putain. Ouais, je sais pas, t'as un jack qui doit. Non, mais... qui doit... la GameCube, elle a give up, elle a fait. Écoute, XLR. Putain, je suis sur un XLR quoi. Ouais. On a tout eu. On a eu l'explosion de la GameCube et l'explosion. Le jeu explosé avec mon micro. C'est peut-être mon micro qui a fait exploser la GameCube. Voilà. Peut-être une puissance. Reste plus que le stream pète ici. Donc il va quand même aller finir. Bon, il a fait Aeroslope. C'est pas la bonne map, mec. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il recharge. C'est bon, ils vont logiquement pas perdre grand-chose. Oui, il peut reprendre. Ah non. Non, il faut qu'il aille refaire sa calibration, je crois. Parce que ça a besoin. Ah oui, ça peut-être. Ouais. Donc ça y est, il va aller prendre le Queen Meteor, un vaisseau qu'on n'a pas vu beaucoup effectivement, qui est pourtant pas mal, qui est un vaisseau intéressant parce qu'il a boost B, grip B, mais par contre il est très nul en combat, très léger. Et le vaisseau en fait le plus proche, si vous voulez faire du vol, qui soit legit. C'est plus ou moins ça quoi. Donc ça on est d'accord, c'est la Rainbow Road de F-Zero. Ouais, complètement. Map que j'aime pas spécialement en fait. Map que personne aime beaucoup, je pense. Non, elle est chiante en fait. Il n'y a pas de technique folle, pas tellement de boost. Je comprends pas vraiment l'intérêt de l'avoir mis là, honnêtement. Mais bon, c'est elle nous permet de voir le staff plus de 20 secondes quand même. Ouais. Et quand il y a en multi et quand il y a beaucoup de monde, c'est une map qui est bourrine à souhait quoi. Oui, voilà, c'est surtout agressif plus qu'autre chose. Ouais. Mais il y a pas, voilà, il se passe pas, c'est pas une map incroyable. Honnêtement, c'est un peu trop Rainbow Road, on se croirait dans Mario Kart quoi. Donc c'est en fait c'est calme Mario Kart pour F-Zero quoi. J'avoue. Ouais, non, c'est vrai que cette map, il arrive même pas à battre le Stavos. C'est peut-être la seule map où on va rigoler parce qu'il va pas réussir à vraiment facilement tuer le Stav Ghost. Ouais, sans skip évident là, c'est vraiment. Voilà, il y a ça quand même. Voilà, il a pris ce vaisseau là, je pense, en legit, pas le vaisseau cheaté, pour faire ce petit vol là, très précis. Mais bon, voilà, il est quand même pas. Il est pas à l'aise, hein, il est pas à l'aise. Non, il a touché, il est sur la glace, il va récupérer de l'énergie un maximum pour avoir des boosts. Là, il faut pas qu'il se plante. Hein. Il a pas beaucoup d'avance. Secondes, quand même, hein. Donc, il est safe s'il ne décède pas. Ah non, mais il est juste là, hein. Le Staff Ghost, il est juste là. Hein. Là, il a 3 dixièmes de retard, le Staff Ghost. Une demi-seconde maintenant. À chaque fois qu'il va lui remettre la face, quand même, ça va lui permettre logiquement. C'est quand même, on est loin des 15 ou 20 secondes. Ah oui, bien sûr. Le Staff Ghost a fait une petite erreur, le Staff s'est envolé. Ah, le Staff Ghost, il s'est envolé. Le Staff Ghost s'est envolé. C'est la rébellion. Oh, Negleria va se faire troller à l'infini. Hein, si... Ah, si jamais il va pas le Staff Ghost, c'est en plus qu'il faut qu'il la refasse parce que c'est un All-Staff Ghost la race. Enfin, la run pour le coup. C'est le jeu des géodésiques. Hein, donc ça va, il a récupéré. Mais peut-être que le Staff Ghost fait des conneries à la fin. Ou non, il a s'est fait doubler. Il a récupéré un maximum d'énergie pour pouvoir bourrer sur la fin. Est-ce qu'il va pouvoir le bourrer? Ah, il l'a fait en mourant. Et c'est bon. Winner. Derrière, ça applaudit. Facile. Et maintenant, il va pouvoir déclencher l'alarme incendie. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui.
Il a fait 38-300 et 38-314, au moins comme ça, au moins quelqu'un de stable une fois de plus. Régulier. Petite pointe de total à 2-0-2-909, hein, très sympa quand même. Ah non, est-ce qu'on change encore de joueur? Ouais, il tag bien, il tag. Ouais, c'est ça. Vous voulez tous savoir leur moment qui de gloire. Qui va s'y coller maintenant? Qui est ce jeune homme? De map, c'est cool, hein. En tout cas, il a une très belle coiffure. Le problème, c'est que les joueurs de F-Zero, je ne sais pas, c'est pour ceux qui regardent un peu les streams des joueurs de F-Zero, ils ne montrent pas leur gueule. Oui, c'est vraiment. C'est du full screen de Lobo. C'est en du général. Full screen avec la manette. Et la manette. Il faut qu'on voit. Et la manette. Ah, allez, moi aussi, je vais faire ma petite libération parce que j'ai ramené ma manette blanche que je me la pète. On a vu vous voyez là la rotation des lots possibles. Obtenir les tombolas. Et on a vu, il y a le flipper quand même, hein. Attention. Ah, il ouais, y a un flipper, mec. Livraison flipper, tu le sens bien dans le studio là. Un joli dauphin. Ouais. T'as donné ou pas? Bah non, mais j'aurais, en fait, je voulais donner pendant F0 et je pense que je vais le faire là du coup. Vu que je meurs en poule. Si jamais tu donnes pour moi et puis si jamais tu gagnes, tu me donneras le flipper. Bah voilà, je fais livrer le flipper à Fougère et puis on fera un deal. Voilà. Ça marche. Très bien. Moi je ne connais pas ce joueur, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose à casser 12 là. Absolument pas, pour le coup. Rien du tout, hein. C'est bon. À mon avis le moins le Shaolin record maintenant. On va pouvoir juger de son niveau en direct. Ah, tu juges, t'es un mec qui juge toi. Ah moi je n'hésite pas, hein. Je vais lui dire, toi t'es mauvais, tu sors. Hein. Remettez-nous Neglaria, parce qu'il jouait bien, hein. Il jouait quand même très très bien. Donc il reprend le Queen Meteor, pourquoi pas. Tant que tu bats le Staff Ghost, je m'en fous. J'espère qu'il jouait à côté tout du long quand même. Quick Cannon, ok, donc là il vient de prendre un petit vaisseau. Voilà, celui qui s'en vit. Tu viens de nous faire mal aux oreilles. Il a une super voix. Est-ce qu'il y a le chinchilla dans le coin? Le chinchilla est dans sa pièce réservée maintenant, il est plus forcément dans mon bureau. C'est quand même assez incroyable. Parce qu'on a de temps en temps quelques petits bugs, c'est pour ça qu'on sait jamais. Mais je sais vraiment pas d'où ça vient, les gars. Écoute, mais c'est cool, t'inquiète. Connexion hein. Internet que parce que moi j'ai le retour de ma voix dans le casque et j'ai eu aucun problème. C'est du patinage artistique en fait là qui nous fait. Oui, c'est ça. Bah c'est toujours cette... Ça va, il a l'air de le maîtriser. Qu'est-ce qu'il... Ah, il a oublié de changer le bouton de boost. Ah oui, il est sur la config de Neglaria. Ah là, ça nous rappelle ces terribles button check dans les tournois de Versus Fighting. J'essaie de avec de le voir bouton restart qui n'existe problème, pas. Mais... Mais là, il y a quasiment aucun temps de chargement dans ce F-Zero. Non, c'est vraiment très c'est faible. C'est vitesse de la GR, le jeu, c'est un jeu cartouche. Hein. Quasiment. C'est vrai qu'il ne sait même pas écrit loading. Donc de toute façon, ça veut tout dire. Ouais. Il n'y avait pas d'écran de loading. C'est-à-dire qu'il savait à peu près ce qu'il faisait. Hein. Grande faute hein, des développeurs de marquer des écrans de loading quand ceux-ci durent moins de 2 secondes. C'est très désagréable d'avoir no loading pendant 2 secondes, ça te rappelle qu'il y a des temps de chargement alors qu'en fait tu ne l'aurais même pas vu si tu lui laissais un écran noir. Donc il va charger. Il a chargé son vaisseau, il va pouvoir repartir maintenant qu'il a assigné sa touche de boost. Ah, ce Franker Z. C'est vrai qu'on peut mettre des Franker Z, on peut mettre un peu de. Ouais, en fait il faut le dessiner à la main. C'est-à-dire que c'est quand même un mec qui l'a dessiné à l'intérieur du jeu en texture pour pouvoir le coller sur le vaisseau. Tu peux entièrement customiser ton vaisseau. J'y ai passé du temps, c'est assez rébarbatif et un peu difficile, mais c'est faisable. Mais en même temps, regardez bien ce vaisseau quand même qui est à l'honneur de la France. Hein. Il est bleu, blanc, rouge. C'est ça. J'ai mon Franker Z dans Jet Set Radio, moi aussi. Ah, tu peux aussi le faire dans Jet Set, effectivement. Ouais. Wow. Encore du Aeropolis. Ouais, donc là toujours cette technique, avec ce vaisseau là il arrive directement à faire du corner boosting on va dire sans avoir besoin de corner quoi, c'est un peu abusé. Il joue bien, ça va, il joue bien, honnêtement c'est propre. Alors sache que le chat c'est aussi faire des Franker Z visiblement. Attention. S'il a le super suicide finish, donc s'il a le suicide de fin parfait, il lui a dit qu'il le payait je sais pas quoi, mais donc ça a l'air vraiment difficile à réaliser sur cette map. Je sais pas si tu parlais de taco, de burrito. Ouais, voilà, un truc à manger en tout cas, hein. Le kebab. C'est vrai que ouais, là, on a loupé un tout à l'heure, c'est sympa de voir. Hein.
Non. Voilà, il a réussi. Oh, oh oui. Ah, oh, c'est tellement fou. Ah, c'est beau. C'est très très beau. Bravo. Ah, pizza. Ouais, pizza. C'est de la pizza. The angle was way off. Ah, c'est fou. Magnifique. Très très, très beau. Ah, ça fait plaisir. Bon bah ça va, tu peux continuer de jouer. Fais la map d'après. Je t'autorise. GG. So yeah, the thing about suicide finishes in this game, like, although you do have to be above the finish line. Donc il dit qu'il faut être au-dessus de la ligne de fin. The game usually gives you a surprising amount of leeway to the left or the right. Et tu peux être plus ou moins à droite ou à gauche quand même, t'as de la marge, mais il faut être au-dessus forcément de la ligne d'arrivée. Si ouais, tu veux être sûr que ça valide. Le trigger est large. I remember chapter 2, you could like go under the finish line and then. Ah oui, d'accord. Et Neglaria précise en fait que tu peux être en dessous de la ligne d'arrivée, mais que tu remontes au moment où tu dois passer la ligne, ça passe. Oh, ce monde de l'angoisse. Ah ouais, ça c'est les niveaux infinis. Tu perds du temps là-dedans. Parce que c'est... J'ai pas entendu ce qui se passe, pas pourquoi j'applaudisse. Can someone please screenshot F0GX having more viewers than League of Legends? Ah d'accord, c'est parce que F0GX a plus de viewers que League of Legends. Il demande à quelqu'un de faire un screenshot pour qu'on ait plus de gens à regarder F0GX que. Bah ça me fait plaisir aussi. Les gens ont compris que c'est ici qu'on se faisait pas chier. Ah bah là je pense pas, hein. Franchement c'est du pur bonheur, ça fait plaisir. Et puis on voit toutes les maps du jeu, c'est quand même hyper agréable quoi. And just because like they're within like a 2 seconds of each other and it takes like 1 to 2 seconds to load the custom machines, we typically just go with Fat Shark. Like on Mobius Ring, this level. Il explique pourquoi ils ont pris le Fat Shark ici plutôt qu'un vaisseau custom. And maybe a few others. Oh, c'est bon. Il avait la ronde, ouais. Terminé en moonwalk. Ah, il est quand même 2909 km/h en max speed. Best lap 24 secondes. On a le temps de regarder. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Il met son nom là? Oui, il met son nom. D'accord. Il est content. Je vais péter la carte mémoire de mon pote, c'est pas sympa. C'est ça. The next course coming up is Cylinder Wave, and it is. Arguably one of the more harder tracks to optimize. D'accord, donc Nigeria dit que c'est la map la plus difficile à optimiser. Et il dit que parce que là on est dans la coupe AX en fait, donc dans les maps secrètes du jeu, qui n'étaient disponibles en théorie que bien sûr sur arcade, mais qui en fait étaient cachés dans GX. Et c'est une map très difficile à optimiser et c'est vrai, c'est pas forcément plus dur que la coupe d'avant parce que c'est une coupe classique, mais c'est une coupe qui est tricky apparemment à optimiser. Mais c'est les maps que je connais le moins parce que c'est pas celle que j'ai plus pratiqué parce que je les trouve pas forcément tellement meilleures que les maps originales de GX. At any point in time, you pretty much always want to be traveling along the cylinder and never perpendicular to it. Ouais, donc il l'explique, hein, en gros, il faut toujours être le long du... C'est un peu comme la map qu'on avait vu dans le feu tout à l'heure. Quand on est sur un tube comme ça, t'as pas tellement d'options, tu peux pas te permettre de décoller. T'es obligé juste d'optimiser un maximum et prendre tous les boosts au sol. Tu veux gagner, c'est comme ça que ça va se passer. Et à la fin, voilà, il y a le petit saut que lui ne fait pas. Il préfère gagner de la vitesse en fonçant sur le sol et pas en visant comme le viseur là s'affiche. C'est effectivement sûrement plus intelligent de faire ça que d'essayer de t'aller là où le jeu te demande d'aller. Voilà, il faut vraiment aller le plus bas possible, faut pas hésiter. Tu vas forcément tomber sur la route au début du retour de la route en fait. Toujours un volet, c'est relativement mal si c'est pas pour faire un cut. Hein. Ouais. Ah, il fonce sur le sol. Ouais, en fait, il y a du sol à l'infini, donc il peut pas tomber. Ça lui met 10 secondes quand même au Tav Ghost, là, hein, ça fait mal. Hein. Moins de 33 secondes le tour. Mais je comprends que ce soit des maps qui sont difficiles à optimiser parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'endroit où faire des trucs foufou, quoi. T'es obligé de suivre ce que la map te propose et puis c'est comme ça. Et puis voilà. À 10 secondes, c'est quand même large.
Ouais, c'est large. Mais si je vous dis, c'est pas vraiment la, c'est pas la cup la plus dure. Hein. La cup d'avant était encore plus dure. Hein. Vraiment. Et il a sorti des trucs super durs. Hein. Yeah. Impulsive new record. Il a battu le record. Ah, mais it's not a PB for me, but... C'est pas son PB. Mais c'est le record, donc il va mettre son petit nom. Il va le mec. Il lui a quand même mis 7 dixièmes, c'est pas négligeable. C'est-à-dire que je pense que Zach a pas dû faire beaucoup de niveaux. Ah les mecs. Bah, tu m'étonnes qu'il prend le temps de mettre son nom. Juste le pour mec le, qui se met là. Salut. C'est ouais, c'est pas mon meilleur temps, c'est un peu de la merde. Mais vu que j'ai défoncé tes temps, je vais quand même laisser ma petite empreinte. Ça te prend un truc à faire la semaine prochaine. Voilà. Ça, c'est tellement bon. À la classe américaine. C'est gratuit. À l'américaine. C'est gratuit. Ouais. Je peux vous assurer que vous savez, on avait fait un speed game sur Mario Kart 8 récemment. Il y a Casio qui est venu, il a joué sur notre Wii U. Ah oui. Bonne idée, il nous a pété de temps. Ah bah ça. Partout, il y a Casio en premier, on n'arrivera jamais à le battre. Ça peut être votre objectif de la vie. Effectivement marqué de son. Vous avez votre ghost au moins. On a notre ghost, mais effectivement, il a pété tout notre temps, le salaud. On ne pourra jamais plus être premier dans notre propre Wii U. Alors là, il est reparti avec un vaisseau custom. J'essaie d'écouter ce qu'il dit, mais... Donc il dit que c'est des maps qui sont plutôt sympas. Moi, je vous dis, hein, les maps de AX, je les trouve pas forcément... C'est pas les maps les plus dures, ça c'est sûr en tout cas. Mais avec ce genre de vaisseau custom, on peut toujours avoir des situations rigolotes, donc... petite... D'accord. Donc normalement, il dit qu'on peut atterrir directement après la chicane. Ce sera beaucoup plus facile une fois qu'il aura le boost. Je pense qu'il n'hésitera pas à couper la chicane. Ça ne servira à rien à part à perdre du temps. Ah, là, il y a des sauts, donc forcément, on va prendre beaucoup de vitesse. Voilà, des petites pointes à 2500. On continue d'accélérer. Ça c'est fourbe, comment l'énergie elle est mise en serpent le long de la route, t'es obligé de zigzaguer pour réussir à récupérer un max d'énergie qui est indispensable pour pouvoir booster. Donc c'est à dire qu'il faut que t'apprennes. Ça c'est une map plutôt sympa quand même. Tu peux réussir à la prendre, même si elle est très large. Et je pense qu'à 30, là c'est des maps vraiment rigolotes. C'est des maps beaucoup plus sportives, on va dire, que techniques d'un point de vue pilotage. Faut savoir tuer ses adversaires quand tu joues là-dessus, quoi. Ça se rétrécit bien, celle-là est déjà plus sympa, je pense, surtout quand on est plein. Oui, il y a un truc qui m'hallucine, tu peux peut-être m'expliquer comment ils ont réussi à faire ça, peut-être tu me diras juste qu'ils ont bien programmé leur jeu, mais comment est-ce qu'ils ont fait avec la vitesse que prennent les vaisseaux pour pas que tu traverses le décor ou la piste, en fait, à un moment. Enfin, comment tu fais pour pas passer au travers? Comment est-ce que... Bah, c'est qu'il est toujours là, en fait, ça doit être bien codé, effectivement, je pense que c'est juste bien codé. Parce que c'est un système de sécurité qui est quand même super bizarre dans le 0GX, parce que si jamais tu arriverais à faire un saut et aller sur un autre bout de la map, si le jeu ne refuse que tu ailles là, parce qu'il sait que tu devrais pas potentiellement être là, tu vas passer à travers. Donc c'est très particulier, la seule chose que tu peux toucher du jeu, de toute façon, c'est le sol. Ouais, c'est ça. C'est du décor. Ouais, c'est le ça. Le décor, tu passes à travers tout, mais le sol, il est... Mais tu passes jamais à travers le jeu, en fait, la piste. Sauf si tu fais un saut qui t'emmènerait en dehors du jeu. Ouais, je vois. Si tu tentes l'OB du truc, bah ça va tu vas passer à travers la map. Donc il y a un truc effectivement qui fait que la map n'existe entre guillemets que sous toi au moment où tu es là. Donc c'est plutôt bien fait. Je sais pas comment c'est fait, mais effectivement c'est très réussi. Parce que ça peut paraître con comme question, mais bon, on a eu le segment totalement au hasard de Sonic juste avant. Oui, non, mais c'est pas du tout. Bizarrement, Sonic, quand tu vas un peu vite. Ça doit pas être le même temps de développement non plus. C'est pas la même boîte. C'est pas le même quality test, si tu veux, chez Nintendo que chez Sega quand il faut faire un Sonic par an, quoi. Ouais. Je pense que là, c'est pas comparable. Je pense que le quality test là qu'ils leur ont demandé devait être extrêmement exigeant. Le truc, c'est pas évident parce que, en fait, tu peux te dire, même malgré le quality test, ils arrivent à atteindre des vitesses qui sont, à mon avis, pas pensées, tu vois. Non. Et malgré cela, ça traverse jamais, quoi. Bah, c'est sûrement possible, tout simplement parce que ils n'avaient pas prévu que tu puisses aller vite, mais il y a quand même des maps qui sont conçues pour aller vite. Car tu, de base, dans le jeu, tu peux faire du 3500 km/h sans être un très grand joueur. C'est vu que tu vas pas le faire à tous les endroits. Mais même dans le TAS, toi, t'as vu le TAS, tu traverses pas. Non. D'accord. Non. Après peut-être qu'il fait attention à ne pas taper trop bizarrement. On ne sait pas en tas, c'est ça le problème. C'est peut-être qu'il avait des problèmes et qu'en fait il les a compensés pour finir la map.
Ça, il faut. Il a pas fait de soumission, ça n'a jamais été soumis à TAS vidéo, ce genre de décès de TAS. Donc, il y a pas de soumission officielle où il a expliqué l'intégralité de ses tricks et comment il a développé. Il a fait des commentaires sur ses propres vidéos sur YouTube, mais il n'y a pas d'explication en détail, quoi. À la finale, la dernière de Green Plant, Spiral. Et quoi, magnifique cette map. Plutôt sympa. Ouais, très belle. Très, très, map très sympa, très longue. J'espère qu'il va bien s'en sortir. Il dit que c'est une de ses maps préférées. Pas très étonnant. Alors, on voit le staff Ghost et c'est fini. Voilà. Adieu, yoga. Ouh, magnifique. C'est pas mal. Est-ce qu'il a coupé la moitié de la map là ou pas? Ouais. Donc c'est un des rares raccourcis. Ah ouais, il a vraiment coupé. Oh, c'est violent. Ouais, ça c'est beau. Bon là par exemple c'est le genre de choses que normalement le moteur du jeu ne t'autorise pas à faire, mais là c'est tellement près si tu veux, c'est tellement collé l'un à l'autre que bah, le jeu se fait avoir. C'est assez rare, c'est très rare. Vraiment, c'est vraiment la même chose que sur Mario Kart Double Dash ou Wii, hein, où dès que tu sors et tu veux faire un genre d'AOB, le jeu il t'arrête, il fait non, mais attends, tu vas où, mec? Tu passes à travers le niveau. Alors que sur Mario Kart 64, le F-Zero X, il n'y avait aucun problème. Si t'arrives à y aller, t'as gagné, quoi. Bah, ça, Mario Kart 64. Le jeu le plus pété là-dessus, c'est un vieux jeu qui s'appelle. Ça va me revenir. Un jeu en 3D sur Super Nintendo. Il doit s'appeler quelque chose 3D. Race, je vais vous le retrouver. Où il y avait, enfin, tu pouvais vraiment faire tout et n'importe quoi, vu que c'était avec une plus 3D FX, ça calculait ce que ça pouvait. Ah, donc, Stunt Racer FX, non Si, c'est ça, Stunt Racer FX. J'ai beaucoup joué en fait. Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'étais vraiment très fort à ce jeu-là parce que j'aimais bien. Ouais, il réussit encore une deuxième fois. C'est vraiment classe, hein. Ce petit saut là, à chaque fois. Cette map est vraiment excellente. Vraiment, c'est sûrement la meilleure map de tous les niveaux AX. Vraiment, et c'est la meilleure aussi, je trouve, de l'univers Green Plant. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il soit caché dans AX parce que, expliquons que pour débloquer AX, faut être fort. Hein. Oui, bien sûr. Il faut finir toutes les maps en master. C'est ça. Et c'est pas facile, je vous assure, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, non. Donc, non. Effectivement, il faut avoir fini, je pense, le jeu en hard, en very hard, le mode story. Bon, ça c'est très simple en revanche. Ouais, donc voilà, c'est infernal. Donc il n'y a pas tous les joueurs qui. Oh, y a. Oh là là, magnifique. Oh non, mais là c'est aussi. Non. Il joue très très bien. AKC, il joue très 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 bien. Il nous fait du très beau jeu. Alors là, il va encore faire un nouveau record, va pouvoir marquer son nom. Ah, peut-être, je sais pas. Bah, je pense que oui. Que... Bah, sauf si l'autre joueur avait réussi trois fois les cuts. Lui, il a réussi deux fois. On va voir s'il va réussir. Est-ce qu'il va faire tous les trucs les plus risqués? Remember, shortcuts like that, if you fail them, then you just crash and die. Voilà, donc si jamais il est dit, hein, si jamais il rate ce genre de shortcut, bah, obligatoirement c'est la mort. Hein. Il n'y a pas d'alternative. Obligatoirement, tu crèves. Donc faut pas les rater. Hop, ça passe, oui. Oh là, ce qu'il a fait, le petit coup du virage pour réussir à retomber sur le boost, c'était vraiment ça, c'est fort. En plus, qu'il a mis le sang tout le temps, quoi, c'est ouf. Oh là là, ouais, il perd pas de vitesse. Oh là, mon gars! Oh là là! Oh là 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 là! Il joue vraiment très 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 bien. Il est concentré. Hein. Ah, par contre, c'est le seul qui bouge un peu la tête quand même. Voilà, le nouveau record. Negaria qui met le guac en disant ouais, le meilleur temps de. Deuxième, c'était 3-0-7, paf, 5 secondes. Bah, c'est juste qu'il avait jamais réussi, je pense, à faire les cuts. Mais Z-Wing, ouais, je pense qu'il tryhard pas trop les... Il a appelé AX. Il a pas beaucoup tryhard les AX, ça se voit. Mais là, le niveau honnêtement, même au-delà des skips et des tricks, là, dans toute l'exé, tout le snaking, ouais, c'était divin. C'était parfait. Ouais, non, il jouait très très bien. Il jouait très très fort. Je pense qu'on monte en niveau en fait au fur et à mesure, honnêtement, là pour le début. Negaria jouait très bien, mais il joue encore mieux, je pense. Mais c'est fatigant, hein. Imaginez jouer 1h35 comme ça, c'est un tel niveau de jeu avec juste une petite pause dans les menus. Entre chaque map, c'est extrêmement fatigant en termes de concentration. Dernière map là? Ça doit être la dernière ou l'avant-dernière. Le Sonic Oval par contre est pas passionnant, le Mute City. Ah bon, on s'emmerde. Hein. Yeah, pas, c'est très droit. Bah, regardez la map. Hein. De toute façon, vous avez compris pourquoi je dis ça. Regardez la minimap. Voilà. Un peu comme dans une course de Daytona. Ah, il a raté. Je crois que si tu rates un boost, c'est ça la banane. Le réflexe du reset pour 100, il a raté un boost, il a fait start. Le réflexe du reset pour 100. Très très drôle. Merde, start.
Mais bon, c'est un symptôme qu'on a beaucoup sur les jeux de course en général, hein, que ce soit Trackmania, F-Zero, Mario Kart en TT aussi. On est obligé de dès qu'on rate quelque chose, dès que ça se passe pas comme prévu, bah voilà, hein, c'est start et on reprend depuis le début. Et c'est la seule chose qui existe. Hein. Oh là, ça va être dur de le dépasser juste avant la fin là. Ah, t'inquiète, il va y avoir le boost. Ouais, d'accord. Ouais, okay. Voilà, et voilà. Nice. Le retour et time. Et time. Yeah. Voilà, 1:23:25. Et ben c'était vachement sympa. MTS into an MTRS, Dimension Turbo Rail Slide. That's smooth. Le 11:09, yeah, la fin était beau. The boost plates I missed, that would have been, I might have had to retry. Voilà, si jamais. C'est pour ça qu'il avait eu la hyper en fait. Et c'est pour ça qu'il voulait reparler, parce que c'est lui qui. C'est pas un stack d'os facile à passer si jamais tu rates ton début, quoi. Alors je. Donc il y a tout le monde qui remercie hein, tous les runners qui se sont enchaînés ce soir sur les S0. Et voilà, et un gros salve d'applaudissements pour tous les gens qui ont joué à F-Zero ce soir. Je pense que vous pouvez le faire aussi chez vous. Applaudissez, dérangez vos voisins. Ah, sublime bloc F-Zero, hein, vraiment, on a été gâtés tout du long. C'était sûrement un des plus sympas qu'on ait eu de toute l'histoire de la GDQ pour l'instant. Et ça m'a fait vraiment très très plaisir de vous le commenter, les amis. Et oui, c'était parfait. Et bravo encore, surtout sur GX, où moi je. Ah ouais, mourir en fort. Poule. Ah, non, t'as pas besoin de s'excuser, MV. Non, tu sais, y a pas. Ah non, mais si, c'est mea culpa. Non, mais t'inquiète pas. Je me retire de la scène. Alors, on va Star Wars, c'est bien ça ? Hein ? On enchaîne avec un Star Wars, si j'ai bien compris ? Star Wars ! Tout à fait. Et nous avons un commentateur sur place, à côté de nous. Eh bien, quel luxe, mes amis. Gotabella présent. Je vais pour ma part aller me restaurer un petit peu. J'ai faim parce que c'est vrai que c'était quand même vachement. C'est vrai qu'on a faim nous aussi. Ah voilà le flipper de Fougère. Hein, ça j'aurais très bien donné à Fougère, il aurait tellement été bien. C'est vrai qu'il va bien, il va bien. Écoute, merci beaucoup infiniment. Et puis des bisous. Des bisous et puis on se retrouve je crois pour Rayman Legend avec Twin. Ok parfait. Et Kaizo Mario en race. Oh Kaizo Mario. Je dois tellement être là. Ok, bah écoutez, merci beaucoup, des bisous et à très bientôt les gens, salut. Des bisous, salut. Ah donc j'aurais pas fait de don, je n'aurais jamais le Pearl Blue Falcon en 3D, c'est terrible. Donc regardez le stream francophone de la Awesome Games Done Quick, marathon de speedrun qui va durer une semaine, qui a commencé hier. Tous les bénéfices vont à la Prevent Cancer Foundation pour l'assistance aux personnes atteintes de cancer et évidemment la lutte et la recherche. Le focus cette année, c'est le cancer de la prostate et le cancer du sein. Et dans quelques instants, c'est donc Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2. Avec donc Gotap au commentaire, suivi de Quake 2. On va commencer à rentrer voilà, dans les ambiances. Hein, les ambiances de 3D, les ambiances de FPS, les ambiances de ça va vite, je ne comprends pas, j'ai mal au crâne. J'ai envie de vomir, mais c'est très cool. Donc voilà, $176,000 pour l'instant en fundraising. Vous pouvez donner à n'importe quel moment, influer sur les runs, rentrer dans les fameuses tombolas pour gagner des flippers que vous enverrez à Fougère. Vous pouvez bien entendu acheter des t-shirts sur theyeti.com/gdq. $3 sur les $11 des t-shirts vont à la Prevent Cancer Foundation. Vous pouvez également aller sur le humblebundle.com, acheter des jeux cool, avoir des t-shirts, un mois de Twitch Turbo. Hein ? 3 mois de XSplit personnel et premium, ainsi qu'un abonnement premium d'un an à Gameblog. Donc on vous invite vraiment à vous y rendre très très vite. Voilà, sur Humble Bundle, plein de jeux cool. Et si vous donnez $30 ou plus, vous avez accès à tout ce qu'on vient de vous dire. Vous voyez, hein, plein de l'eau à gagner, etc. Mais surtout, c'est important, donner. Vous avez les défis français francophones sur la gauche du restream. On va marquer une courte pause de 2 minutes et moi je vais aller manger et me coucher. Pareil. On va faire ça, je crois. On se fait un petit café. Donc voilà, donc GoTap à suivre. Tu es accompagné ? Solo, oh, solo allez. Ah c'est beau. Allez. Ah c'est beau. Des bisous aussi à Coyote et Biff qui sont là présents dans la place. Donc voilà, la caverne. Non, voilà, bon, non, vous allez vider les locaux de Gaming Live. Voilà, oh, il y a des comme intrus, ça, on ferme pas, on laisse ça. Vous faites ce que vous voulez, il y a 8 canapés. On n'est pas là. On n'est pas là, faites ce que vous voulez. Voilà, tous à poil, on est tous fait pareil. C'est pas grave.
C'est pas grave, c'est très très cool, c'est que de l'amour. Quoi qu'il en soit, à tout de suite. Et merci, ouais. Verdier, merci. Ouais, merci à toi. Ouais. Impressionnant cette ressemblance quand même avec Michel Boujna. Non mais c'est vraiment fou. Tais-toi donc. Ah, très bon run à toi.